Thank you, Jesus. Bless your name. Bless you. Il faut les amener là-bas par là. Je vais travailler. Oh, merci Jésus pour ce jour spécial. Bonjour. You're welcome. We are here again today. C'est un grand jour. Un jour de fête. Un jour de grâce. Un jour de victoire. Qui est là? Un jour de bénédiction. Connectons-nous très massivement. C'est spécial ce matin. Demande à Mireille que m'apporte le nécessaire, le mouchoir et tout le reste. Ça, vraiment. Oh. C'est que je suis. Ça, c'est un jour très spécial, s'il vous plaît. Désolé, hein. C'est la course. On a un grand direct ce matin. Et vous savez que ce soir, nous avons la grande nuit des flammes. Tout à l'heure, à partir de 21h. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Vous me suivez bien? Oh. Que Dieu te bénisse. Si tu me suis bien, dis simplement que je suis bien. Voilà. Bonjour. Bonjour à Julie. Loka. Loka, Loka. Yolande Zobo. Bonjour à vous. Bonjour à Uli Eba. Vous êtes très nombreux à vous connecter ce matin. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Et si tu n'es pas abonné à la page, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre page. On a besoin d'abonnement. Abonne-toi à la page. Donc, ce vendredi sera extraordinaire. Et le message que je veux partager avec vous ce matin est une révélation que le Seigneur m'a apportée ce matin pendant que j'étais en train de finir la prière matinale ou matinière. Voilà. Donc, vous savez que d'habitude, les gens disent « Ah, tu es matinal, hein? Tu es très matinal. Tu es matinal. » Ça veut dire que tu es matinal. Ou bien pour dire que tu te réveilles très tôt le matin. En réalité, c'est une mauvaise façon de parler la langue de Molière. On ne dit pas à quelqu'un que tu es matinal parce que matinal, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie ce qui appartient au matin. Donc, quand on veut dire que quelqu'un s'est levé tôt, on dit qu'il est matineux. Matineux, c'est celui qui se lève tôt. Mais matinal ou matinière, ça c'est ce qui se passe le matin. Voilà. Donc, mais pour celui qui se réveille tôt, on dit qu'il est matineux. La même chose, c'est par exemple quelqu'un joue mal à la musique, vous ne dites pas c'est un mauvais musicien. C'est plus simple de dire c'est un musicastre. C'est-à-dire, musicastre, on sait déjà que c'est quelqu'un qui. C'est un faux musicien. Voilà. Donc connectons-nous très nombreux, s'il vous plaît, ce matin. Et que le Seigneur te bénisse pendant que tu es en train de le faire. Que la grâce de Dieu, sa main forte, soit dans ta vie. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important pour moi. C'est pour ça que je veux prendre mon temps pour que tu te sois là. Tu t'assois bien. Tu passes la vidéo à une, deux, trois personnes, à tes groupes. Tu partages tout ça, tu le fais. Tu invites tes amis à venir en ce moment spécial. Et après ça, toi-même, tu t'assois et tu m'écoutes. Et Dieu me parlera. Dieu te parlera à travers le moindre que je suis, le vermicieux que je suis. Donc, vraiment, je veux partager avec vous un moment d'intimité que j'ai eu avec Dieu ce matin. Et pour moi, c'est un fardeau que je dois déposer, un fardeau dont je dois me décharger et pour que tu sois béni, pour que tu comprennes. Parce que ce sur quoi nous allons partager, c'est la raison qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'accomplissent pas leur destinée. Beaucoup d'entre nous, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Dans tous les domaines, ça ne va pas. C'est compliqué. Donc, nous allons arranger ça. Vraiment, je vous dis la vérité. Hein. Jésus-Christ a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est des révélations. Comme ça, c'est ce qu'on appelle des remata dans la parole de Dieu. Des remas. Ça veut dire que c'est des révélations précises et concises qui viennent pour résoudre un problème ponctuel dans ta vie. Donc, partage la vidéo, s'il te plaît, et abonne-toi. Partage au maximum. Les gens ne sont pas encore en train de partager cette vidéo. Partage la vidéo au maximum. Partage. C'est un grand secret que je vais te donner. Voilà, c'est une très grande clé qu'on va partager ensemble. Donc, il faut que ton frère et ta soeur soient avec nous. Ce soir, nous avons la grande nuit de flammes. C'est un jour de fête.
Un jour de joie, un jour de gloire. Si tu aimes ta vie, ne manque pas. Tu aimes ta famille, ne manque pas. J'ai dit la vérité. Si tu crois au miracle, tu crois au Dieu des miracles et tu crois que ce Dieu est ton Dieu. Alors, aujourd'hui, à partir de 21h, retrouve-nous au niveau de la bière. Au niveau de la bière en Kouaban, à Yaoundé. Donc, tu peux voyager si tu es loin de la ville. Ne manque pas. Dieu va faire quelque chose de grand. Dieu va nous séparer des vêtements de la honte pour nous glorifier devant nos adversaires, nos ennemis. Donc, si tu attends la restauration de Dieu, la Bible dit que quand Jésus-Christ est né, Israël attendait la restauration du peuple de Dieu. Donc, il y a cette attente profonde dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu attends de Dieu. Tu veux que la main de Dieu intervienne dans un domaine précis de ta vie. S'il te plaît, cette nuit est ta nuit. Fais-en ta nuit, ton affaire personnelle devant Dieu. Ne laisse que personne ne te distraire. Ne permets à personne. Ne laisse pas que le diable t'empêche d'assister à cette nuit de flamme. Parce que je vous dis la vérité en tant que prophète. La nuit de flamme si sera dangereuse. Donc ceux qui ne sont pas au pays, ceux qui sont au pays mais qui ne sont pas disponibles physiquement, sois connecté à partir de 22h. Connecte-toi. Pardon. Mets tes méga. Connecte-toi à cette nuit de flamme. Et vois ce que Dieu fera pour toi. C'est de ça qu'on va même parler tout à l'heure. Les mystères que je vais vous donner vont vous aider à grandir. J'ai l'habitude de dire que le christianisme, c'est un mystère. Je ne sais pas si vous me comprenez souvent. Donc, c'est ça la vérité. Donc, connecte-toi. Toi et ta famille, venez. Parce que Dieu va nous joindre. Le Seigneur va nous joindre. Et dimanche, nous allons encore faire la même chose. Parce que c'est le premier culte du mois de mai. Oh mon Dieu, nous sommes gâtés. Cette semaine, ce week-end-ci est un week-end dangereux. C'est un week-end de grâce, de bénédiction, de restauration. Donc, si tu crois en Dieu de tout ton cœur, s'il est vrai que tu crois en Dieu, et si tu t'attends à un miracle dans ta vie et que tu as la foi, soit là physiquement ou alors, s'il te plaît, connecte-toi. Mets tes méga déjà, 22h. Dis, je vais suivre ce programme du début jusqu'à la fin. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Je te dis la vérité, ça sera extraordinaire. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dimanche, le 2, dimanche c'est le 2, je pense, parce que vendredi c'est le 30, samedi c'est le 1er, dimanche le 2, c'est le tout premier culte du mois de mai. Les bus sont disponibles dans tous les quartiers habituels pour prendre les gens gratuitement, pour les amener à l'église. Donc, s'il te plaît, tu n'as aucune raison de rester chez toi. Tu n'as aucune raison de laisser passer cette opportunité. Laisse Dieu entrer chez toi. Laisse Dieu entrer chez toi. Laisse Dieu entrer chez toi, s'il te plaît. Laisse Dieu entrer chez toi, je t'en supplie. Si tu le fais, tu verras, tu ne le regretteras pas. Je te dis la vérité. Qui est là? Je veux un retour, s'il vous plaît. Comme je suis toujours en train de courir, je veux un retour. Un retour de Facebook, je vois ce que ça donne. Et demande là-bas à la maison qu'on me donne l'autre téléphone là pour les appels. J'ai oublié ça. Tellement je courais. Donc, s'il vous plaît, il y a des opportunités que Dieu nous donne. Et si tu n'es pas intelligent, l'opportunité va partir. Donc, ne laisse pas passer cette opportunité. Mets dans ton agenda. Ce vendredi, je serai à la nuit de flamme. Et dimanche, le 2 mai, je ne manquerai pas ce premier culte du mois de mai qui sera le mois de la gloire pour nous. Dieu m'a dit, c'est le mois de la gloire. Et je vous parlerai de ça encore bien tout à l'heure. Donc, sois scotché. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Mais surtout, partage la vidéo. Invite tes amis. Partage cette vidéo dans tes groupes et fais ce que tu dois faire. Assois-toi et que Dieu te bénisse. Père, je prie pour tous ceux qui partagent cette vidéo, que ta main et ta bonne main parlent en leur faveur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Voilà. Je pense qu'on peut entrer dans les hostilités. On a déjà perdu plus de 10 minutes. On va entrer dans les hostilités, dans le thème même, dans le partage de ce matin. Et sois attentif. Hein. Tu as ton cahier, tu prends ton cahier, tu notes. Parce que ce sont des choses rares, frère. C'est des révélations que vous ne pouvez pas recevoir comme ça. C'est quand vous êtes dans l'intimité avec Dieu que le Seigneur ouvre votre esprit pour comprendre ces choses-là. Et ceux qui comprennent ces choses sont guéris et bénis par ces choses. Et leur vie ne sera plus jamais la même. Donc quand vous voyez quelqu'un dont la vie est extraordinaire, c'est que sa relation avec Dieu est aussi extraordinaire. Cette personne a des moments de qualité avec Dieu dans son intimité. Et donc chaque fois que vous êtes dans l'intimité de Dieu, il y a de grandes révélations que le Seigneur vous donne. Et ce sont ces révélations qui deviennent le socle de votre existence et la force de votre succès. Ce n'est pas la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas la sorcellerie. Donc, quand vous voyez des personnes qualifier certaines personnes, certains enfants de Dieu ou certains serviteurs de Dieu de pratiquer la sorcellerie, c'est un signe de paresse. Ça veut dire que c'est une preuve
que cette personne est paresseuse, elle n'a rien compris des mystères du royaume de Christ. Parce que Jésus-Christ, à une occasion, raconte une parabole et il dit que à quoi est-ce que je comparerais le royaume des cieux? Et il dit que le royaume des cieux est comme un homme qui marche dans un champ qui ne lui appartient pas et qui trouve dans ce champ un trésor. Et quand il découvre le trésor, il va voir le propriétaire du champ et lui dit: vraiment, ton terrain ici, ça ne te sert à rien, mais je voudrais te l'acheter. Il lui propose une forte somme d'argent. Et celui qui avait le terrain, étant ignorant du trésor que son terrain possédait et de la richesse qui était la sienne, va vendre son terrain à cette personne qui a vu le trésor. Et puis demain, elle sera choquée de savoir qu'on a trouvé le plus grand gisement de pétrole dans son champ. Pourtant, le gisement de pétrole était là à son époque, mais il n'avait pas vu le don de Dieu. Il n'avait pas découvert la richesse que Dieu lui avait donnée, mais quelqu'un d'autre a découvert et en a profité, parce que lui, il n'en a pas profité tant. Et c'est pour cela que Jésus dit que les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été premiers et qui ont possédé n'ont pas vu. Mais les derniers sont venus de loin. Ils ont vu, ils ont acheté, ils ont possédé et sont devenus riches. Donc c'est un peu ça le royaume de Christ. C'est comme ça. Donc tu peux être là depuis longtemps, assis sur des mines d'or, tu ne les exploites pas, parce que tu ne donnes pas de l'importance à ces choses. Quelqu'un d'autre vient de nulle part, il voit le don de Dieu, il voit la saison qui est devant toi et que toi tu n'as pas exploré. Il voit cette saison, il voit cette occasion, il voit cette grâce, il voit cette main de Dieu, il voit cette bénédiction que toi tu n'as pas vue. Et cependant, voilà, il prend ça et toi qui étais premier, tu deviens dernier. Donc, nous avons une lourde responsabilité devant le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut avoir les yeux ouverts. Je vous dis la vérité, nos yeux doivent être ouverts. Il faut me désinfecter ça. Tu ne tiens pas mon téléphone avec tes mains nues. Donc, désinfecte ça, tu m'apportes ça. Ça, c'est le respect des choses saines, c'est la piété. Donc, que Dieu te bénisse. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous voyons les opportunités? Le thème que Dieu m'a donné, as-tu vu Dieu passer? As-tu vu Dieu passer? C'est une question, hein? Le thème, c'est une question. On parle, on est des enfants de Dieu, mais ici, là, c'est une plateforme pour les grands. C'est pour ceux qui ont la maturité. As-tu vu Dieu passer? C'est la question que Dieu m'a posée ce matin et il m'a expliqué. Dieu m'a amené dans les Écritures, il m'a promené dans les Écritures. Waouh, j'ai dit, ah mon Seigneur, vraiment, il faut que mes yeux soient ouverts pour comprendre certaines choses. Donc, as-tu vu Dieu passer? Et c'est la question par laquelle le Seigneur a clôturé mon temps d'intimité ce matin avec lui. Et je veux partager ça avec toi. Et après, nous allons prier. Je te dis la vérité, après ce message, tu verras Dieu passer. Alors, premièrement, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il y a tellement de plaintes. Et puis j'ai vu le peuple de Dieu, et puis j'ai vu une multitude, c'est-à-dire j'ai vu l'église du Dieu vivant en train de se plaindre. Oh, je ne vois pas Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Dieu m'a rejeté. Je suis seul. Si Dieu existait, pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi je vis telle situation? Pourquoi Dieu ne m'a jamais secouru dans tel domaine de ma vie? Donc les gens se posent la question, comment je peux faire pour que Dieu me parle? Dieu m'a dit qu'il me parle, il nous parle tous les jours. Dieu est là tous les jours. Dieu te parle tous les jours. Dieu passe tous les jours dans ta vie. Dieu visite ta vie tous les jours, mais cependant, tu ne sais pas. Donc, la base et le socle de la méditation de ce matin, c'est quoi? Dieu dit à Israël, au jour favorable, je t'ai visité, mais vous ne l'avez pas su. Il dit, au jour favorable, je t'ai visité, mais vous ne l'avez pas su. Voyez. Donc, à partir de ce moment-là, vous comprendrez que nous avons une responsabilité. C'est d'abord le jour favorable. Oh Seigneur, 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 merci parce que tu es bon. Il dit, au jour favorable, j'étais visité. Mais vous ne l'avez pas su. Vous ne l'avez pas su. Donc ça veut dire qu'il y a un jour favorable. Quand vous lisez par exemple 2 Corinthiens 6, verset 2, il dit, car il dit, j'étais exaucé au temps favorable et j'étais secouru au jour du salut. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Vous voyez. Donc il dit, voici maintenant les jours du salut. Donc ça pose un réel problème. Ça pose un réel problème. Il y a un jour favorable. Il y a un jour. Voilà pourquoi la Bible dira qu'il y a un jour pour l'Éternel des armées. Il y a un jour favorable. Chaque problème que tu peux avoir dans ta vie, il y a un jour favorable. Et Dieu dit, au jour favorable, je t'ai visité. Hein? Au jour favorable, je t'ai visité. Ça doit résonner dans l'esprit de chacun de nous. Quel est donc ce jour favorable parmi les 7 jours de la semaine? C'est un exemple qu'on donne. Est-ce que c'est lundi? Est-ce que c'est mardi? Est-ce que c'est mercredi? Est-ce que c'est jeudi? Donc, il faut la sagesse des fils d'Issacar pour discerner les temps et les saisons dans ta vie, pour savoir que ça, c'est Dieu qui est en train de passer. Ça, Dieu est en train de me visiter. Ça, c'est mon époque. Ça, c'est mon jour. Ça, c'est ma saison.
Les saisons passent. Et quand ces saisons passent, ta saison peut passer dedans. Regardez, Dieu m'a amené quelque part. Excusez-moi, hein, je suis en train de m'arranger pour que tu comprennes bien ça. Dieu m'a amené dans l'histoire, voyez, quand le prophète Élie va sur le mont Carmel. Il arrive sur le mont Carmel lorsqu'il fuit Achab et Jézabel. Il arrive, la Bible dit qu'il va se réfugier dans les craies d'un rocher. Pendant qu'il se réfugie dans les craies de ce rocher, alors il a l'épreuve du temps. Il subit l'épreuve du temps. Avant de rencontrer Dieu, Élie va subir ce que j'appelle l'épreuve du temps. Il doit discerner la saison. Il doit être capable de savoir où est Dieu. La Bible dit qu'il y a eu un vent puissant qui a soufflé. Et ce vent était tellement puissant que les rochers étaient renversés. Ce vent était tellement puissant que les rochers se renversaient. Mais cependant, la Bible dit que Élie n'est pas sorti. Le prophète Élie n'est pas sorti. Il est resté. Ce n'était pas sa saison. C'est ça l'épreuve du temps ou bien l'épreuve des saisons. C'était une question de... C'était le bel exemple, le plus bel exemple biblique du discernement de sa saison ou de la reconnaissance de la visitation de Dieu. Élie n'est pas sorti. Il a su que ça, ce n'est pas ma saison. Ce n'est pas la saison de rencontrer Dieu. Dieu n'est pas dans ce vent. C'est très important, hein? C'est très important. Je pense que toi et moi, on serait sortis. Parce qu'on se dirait, on allait assimiler comme c'est puissant, les rochers tombent, les montagnes sont ébranlées. Alors, ça reflète la gloire et la puissance de Dieu, sa souveraineté. Ça veut dire que Dieu est dedans. On allait sortir, le vent allait nous balancer du sommet de la montagne. Ça serait la mort. Si Élie était sorti, il mourrait. Les pierres l'écraseraient, vous voyez. Lorsque tu sors à la mauvaise saison, tu meurs. Lorsque tu confonds ta saison à la mauvaise saison, tu meurs. Lorsque tu ne discernes pas ta véritable saison, tu meurs. Donc, le pari, c'est de sortir en la bonne saison. Et la Bible explique qu'après ce vent qui a fracassé les montagnes et les rochers, il y a maintenant le feu qui est descendu. Un feu puissant est descendu. Et le feu embrassait toutes choses. Le feu dévorait tout. Frère, je serais sorti en courant. Parce que la Bible dit notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il y aurait eu un verset biblique même qui allait accompagner ma sortie. Donc Élie avait toutes les raisons de dire, ah non, ça c'est l'Éternel. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui est aussi un feu dévorant. Ça c'est mon Dieu. Non, Élie a su que Dieu n'était pas dans le feu. La saison du feu n'était pas sa saison. La saison du vent n'était pas sa saison à lui. Non, ce n'était pas sa saison, frère. Quand nous confondons les saisons, nous mourons. Quand nous confondons les temps, nous mourons. Quand nous confondons les jours, nous mourons. Quand nous confondons les opportunités, nous mourons. Ça veut dire quoi? Dieu peut te donner ton opportunité aujourd'hui, elle passe. Et tu demeures dans la prière, tu es concentré dans la prière. Donne-moi le mari, donne-moi le mari. Pourtant, ton mari t'a été présenté, ça fait un an. C'est déjà passé, l'occasion est passée. Tu pries pour quelque chose que Dieu a exaucé, tu n'as pas su, et c'est passé et tu as perdu. Et ce qui reste devant toi sur le néant, sur le célibat à mort, le célibat à vie, le célibat à vie. Donc Élie a su que Dieu n'est pas dans le feu. Toi et moi, on serait sortis. Je vous dis la vérité, on serait calcinés. On serait calcinés. On serait complètement calcinés parce que, en fait, la saison du feu n'était pas celle d'Élie. La Bible dit qu'Élie ne va pas sortir. Il va rester. Oh mon Dieu, quelle grande maturité spirituelle. C'est ça qui nous manque alors. Dieu peut venir pour toi dans le feu. C'est ça, hein? Dieu peut venir pour toi, mais dans le feu. Et tu dois discerner. Dieu peut venir pour moi dans le vent avec fracas, avec puissance. Je dois discerner cela. Si je ne discerne pas, ma saison n'est pas ta saison. Ne te compare jamais à personne. Prends les gens comme source d'inspiration, mais ne remplace pas ta destinée par celle d'une autre personne. Non. Parce que toi aussi, tu as ton chemin à tracer. Cette personne a frayé un chemin. Elle est une référence, une source d'inspiration. Mais tu as ton chemin. Chacun a son chemin. Tu dois reconnaître ton chemin, marcher sur ton chemin. Ne confonds pas ta saison à la saison de quelqu'un. Donc si le temps de l'autre est venu dans une saison de vent puissant avec fracas, ne dis pas, ok, j'attends le vent puissant avec fracas. Ou dès que tu vois un vent puissant avec fracas, tu sors. Tu peux mourir parce que ce n'est pas ta saison. Toi, peut-être c'est le feu. C'est la saison du feu. Ta saison vient avec un feu qui dévore tout sur son passage. Ben, c'est ça. La Bible dira donc qu'il y aura une troisième saison qui arrivera. Et la troisième saison, c'est celle d'une brise douce, doucereuse et légère qui soufflait tout en caressant les herbes vertes de la prairie du Mont Carmel. Et la Bible expliquait, lorsque Élie a vu la brise légère souffler, il s'est enveloppé de son manteau et il est sorti.
Il avait vu Dieu dans la brise légère. Makali wa inna malis wa inna boras mana edali wa in. Ça veut dire quoi? Parfois, il y a des saisons qui peuvent être puissantes, comme la saison du vent qui est venu avec fracas, qui renversait les rochers. Oui, c'est une saison puissante, c'est vrai. C'est une saison qui vient avec de grands signes, c'est vrai. Mais ce n'est pas ma saison. Elle n'est pas pour moi. Ce n'est pas mon temps. Cette saison, Dieu n'est pas dedans pour moi. Dieu n'est pas encore dedans. Les autres peuvent sortir, mais ce n'est pas mon temps. Et Élie attend. Et il suit le vent léger et il se dit, ah, maintenant, ça, j'ai vu Dieu. Je vois Dieu dans la brise légère. Et il sort. Et puis, Dieu lui parle de la brise légère en demandant, Élie, que fais-tu ici? As-tu vu Dieu? Quand est-ce que tu sors? Parfois, nous confondons les saisons. Nous voulons nous accaparer des saisons des autres sans nous attendre à notre saison à nous. La saison d'Élie, c'était pour la brise. C'était la brise légère. Sa saison, ce n'était pas la saison de feu. Sa saison, ce n'était pas la saison du vent avec fracas. Il connaissait discerner le temps. Il avait la sagesse de fils d'Issacar. Élie connaissait sa saison. Il a su voir Dieu passer. Et puis le Seigneur m'a dit, mon peuple se plaint que je ne lui parle pas. Pourtant, je lui parle tous les jours. Les gens dans mon peuple se plaignent que je ne leur rends pas visite. Pourtant, je leur rends visite tous les jours. Alors, la Bible a commencé, le Seigneur a commencé à me raconter une histoire. Il m'a amené dans plusieurs passages de la Bible. Par exemple, dans Jean chapitre 4, le Seigneur m'amènera là-bas. Je vais commencer par les versets moins forts, les passages moins forts. On va finir avec les passages les plus forts. Et puis, dans Jean chapitre 4, vous lisez tout le chapitre 4, c'est important. La Bible explique que Jésus-Christ arrive au bord du puits de Jacob et il trouve la femme samaritaine. Et quand il trouve la femme samaritaine, la femme samaritaine le trouve là-bas, le retrouve. Et puis, elle puise de l'eau et il est assis, il se salue. Et puis, il dit à la femme, donne-moi à boire. Et la femme lui dit, ah, toi qui es juste, tu me demandes à boire comment? En fait, la femme n'avait pas encore vu Dieu. Malata wa inna balas. La femme n'avait pas vu Dieu. Elle n'avait pas vu Dieu. En fait, je vais vous raconter cette histoire, voyez. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Cette femme samaritaine avait des problèmes. C'était une femme d'abord. Chaque homme qu'elle rencontrait mourait. Chaque homme, c'est-à-dire quand elle se marie à toi, tu meurs. C'était une malédiction. C'est-à-dire qu'un démon, ou c'était les couches de nuit, je ne sais pas où est mari de nuit, mais on sait qu'il y avait un démon, une entité qui avait fait de cette femme sa possession, son bien personnel. Donc cette femme ne pouvait pas se marier à quelqu'un. Et je ne sais même pas si l'homme avec lequel cette femme vivait connaissait le passé de la femme. Je doute. Parce qu'un homme normal n'aurait pas épousé une telle femme. Je vous dis la vérité. Un homme normal n'aurait pas épousé une femme comme celle-là. Tu apprends que la femme s'est mariée 5 fois. Et tous ces hommes sont morts. Alors ça veut dire que la femme, c'est dangereuse. Si tu l'épouses, toi aussi, tu vas mourir, vous voyez. Donc, mais cet homme, peut-être elle lui a caché son passé. Et puis il l'a prise. Ben, il l'a mise dans la maison. Et quand elle croise Jésus, elle a donc ce problème. Elle a ce problème de célibat ou bien de veuvage. Le diable arrache toujours ses maris. Chaque homme avec qui elle veut bâtir sa vie meurt. C'est un problème sérieux. Cette femme avait ce problème. C'était un fardeau. Elle a cherché des solutions sans avoir de solution. Ce jour, elle vit au puits de Jacob où elle venait d'habitude. Mais ce jour était différent des jours précédents. De toutes ces années où elle venait, ce jour était spécial. Dieu passait par là. Avait-elle vu Dieu? Donc, dans un premier épisode, elle n'a pas vu Dieu. Donc, elle n'a pas vu l'opportunité que Dieu lui donnait de la délivrer de sa situation et de la décharger de ce fardeau. Ce jour était différent. Ce jour était la brise légère de sa vie. C'était le jour où elle devrait rencontrer Dieu. Cet homme qui était assis au bord du puits de Jacob n'était pas les hommes qu'elle voyait d'habitude. C'était Dieu qui était venu lui rendre visite. Si elle avait raté ce jour, cette malédiction, elle n'en serait plus jamais guérie. C'était une seule fois que Jésus devrait s'asseoir au bord du puits de Jacob. Il y a des occasions et des opportunités que Dieu te donne une seule fois pour toute ta vie. C'est ça qu'il faut être attentif avec Dieu. Tu rates cette opportunité, tu as perdu l'opportunité là. C'est fini. Tu ne peux plus te rattraper. Vous voyez, donc, cette femme, dans un premier temps, ne voit pas Dieu. Elle voit un juif. Mais je bénis Dieu parce qu'à la fin de l'histoire, elle a vu Dieu. Elle a failli perdre sa saison. Mais elle est entrée dans sa destinée parce que finalement, elle a découvert qu'en fait, c'était Dieu. C'était sa saison. C'était son jour. Elle s'est appropriée son jour. Et à cause d'elle, toute la Samarie s'est réconciliée avec Israël. Et Jésus-Christ est entré en Samarie. Elle a même modifié le programme d'évangélisation du Seigneur Jésus. Elle a amené Dieu dans son village parmi les siens. Et tous les siens ont été délivrés des puissances maléfiques, des malédictions de célibat, de pauvreté, de maladie, de mort précoce, etc., etc. Elle n'a pas manqué sa saison. Et Dieu m'a dit que beaucoup d'entre nous, nous manquons la saison parce que nous ne voyons pas Dieu. As-tu vu Dieu passer?
As-tu vu Dieu passer ? Dans cette occasion, et Dieu a commencé à m'enseigner. Il m'a enseigné la loi du passage silencieux de Dieu. Dieu, tu peux pleurer pendant des années. Dieu est déjà passé, ça fait 10 ans. Je te dis la vérité, tu continues à prier pour les enfants. Ça, Dieu t'a donné une opportunité, mais tu ne l'as pas su. Dieu peut venir de toutes les façons, de toutes les manières. Mais c'est dans une manière où tu ne te rends pas compte que c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est la seule chose qui va te sauver, c'est l'innocence de ton cœur, la sincérité de ton cœur et l'amour vrai que tu as pour Dieu. Si tu n'as pas ton cœur innocent, tu n'as pas un cœur vrai, si ton cœur n'est pas tourné tout entier vers l'Éternel, si cette saison trouve la moindre chose dans ton cœur, la moindre pensée injuste, c'est-à-dire que la moindre conception erronée en rapport avec Dieu ou avec l'opportunité qui t'est donnée, la source de cette opportunité, tu rateras. Tu rateras. C'est une révélation profonde que je te donne. Tu rateras cette saison et la saison va partir. Donc, et dans cette saison de visitation, le jour où le Seigneur passe, où il faut que tu le vois absolument, il y a des lois et des règles contradictoires. C'est mêlé, le pour et le contre, le oui et le non. Ça veut dire quoi? Il y a le pour qui te pousse vers, mais il y a aussi des oppositions qui te disent non. Et cette chose-là vient pour éprouver ton cœur. Parce que Dieu veut se rassurer si ton cœur est tout entier tourné vers lui et si tu comprends la valeur de la grâce qu'il veut te faire. Parce que en ce jour, la seule chose qui peut te faire ne pas rater, c'est la sincérité de ton cœur, la pureté de ton cœur, l'innocence de ton cœur, l'irréprochabilité de ton esprit devant Dieu. Mais s'il y a une pensée injuste ou tortueuse dans ton esprit, s'il y a eu une conception, c'est-à-dire que, ou une parole, ou un acte d'injustice, aussi peu fut-il, il est probable que tu rates la visitation de Dieu, que tu ne vois pas Dieu. As-tu vu Dieu passer? Donc ça peut être pour une histoire d'un bonjour. Ça peut être pour une histoire de je veux un verre d'eau. Ça peut être une histoire de, oh vraiment, je n'ai pas de vêtements s'il te plaît. Ça peut être une histoire de mon enfant ne va pas à l'école. Est-ce que tu peux m'aider? C'est ça l'important. Dieu peut venir par une voisine qui te dit que son enfant ne va pas à l'hôpital, à l'école. Pourtant, dans ta maison, oh, tu viens d'avoir de l'argent. Et Dieu se rend compte que cet argent-là n'est rien par rapport à ce qu'il va encore te donner. Alors, Dieu vient par ta voisine. Peut-être qu'il y a un enfant qui doit aller à l'hôpital. L'enfant est gravement malade et mourant. Et puis, Dieu va amener cette voisine. En fait, ce n'est pas la voisine qui vient. C'est l'ange de l'Éternel qui l'a envoyé vers toi. Dieu est en train de passer dans ta vie. Et Dieu va regarder ton cœur. Si tu prends cet enfant, tu vas prendre ton argent et tu amènes cet enfant à l'hôpital. Tu prends soin de cet enfant de A à Z. Tu as vu Dieu passer. Sans le savoir peut-être, tu as reçu Dieu. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Et des choses extraordinaires vont commencer à se passer dans ta vie. En tout cas, ta destinée, tu as gagné. Tu as gagné le jackpot avec Dieu. Donc c'est pour ça que quand Dieu passe dans ta vie, il ne te dira pas que je suis en train de passer. Non, il ne te dira pas. Mais ce sont des occasions parfois éphémères. Des occasions banales. Des occasions qui ne ressemblent à rien. Peut-être tu peux être dans ta voiture. Et puis quelqu'un frappe à la vitre de ta voiture, c'est quelqu'un qui est très malade, ou un mongol, ou bien un lépreux, je ne sais pas trop quoi. Mais ce lépreux, ce n'est pas un lépreux, c'est Dieu qui passe dans ta vie. Il y a ta destinée, il y a quelque chose de fort pour ta vie, qui va faire de toi l'homme que Dieu a dit que tu es. Et cette chose est tellement forte, et tu attends tellement cette chose, dans tous les cas, c'est même ça ta vie. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que ta destinée va exploser, où tu deviendras l'étoile de ta famille, la lampe de ta vie et de ton village, tu deviendras la référence, le Joseph, le David, le Melchisedec de ta famille. Et Dieu, pour t'introduire dans cette grande saison, tu peux être dans ta voiture, on toque, et puis c'est un indigent, c'est un malheureux, c'est un lépreux qui frappe ou un aveugle. Il te donne son assiette, il te dit pardon, 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 pardon. Et toi, tu lèves la vie de ta voiture et tu passes, tu ne donnes pas. Tu n'as pas vu Dieu dans cette occasion et tu vas laisser Dieu passer et tu ne seras plus jamais ce que Dieu avait réservé pour toi parce que tu n'auras pas été à la hauteur. Tu n'auras pas vu l'occasion que Dieu t'a donné d'entrer dans ta saison. Voyez, c'est ça. La femme samaritaine a failli passer à côté. Voilà pourquoi Jésus demandera à la femme samaritaine, si tu savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et de l'eau que je t'aurais donnée, tu n'aurais plus jamais eu soif parce que tous ceux qui boivent à l'eau de ce puits auront toujours soif. Et c'est pour ça que nous avons toujours soif. Parce que nous n'avons pas bu à la véritable source d'eau. Lorsque la véritable source d'eau de ta vie te sera révélée, quand tu la retrouveras, tu n'auras plus jamais soif dans ta vie. Non, soif de rien. Parce que la main de Dieu et sa puissance vont te distinguer dans tous les domaines de ta vie.
Donc, as-tu vu Dieu passer? Combien de fois tu as laissé Dieu passer? Combien de fois tu as perdu les opportunités? Tu restes dans la prière, tu restes dans le jeûne, tu restes dans les sommets de montagne, mais cependant la miséricorde, tu ne l'as pas. Les opportunités, tu ne les vois pas. Maintenant, lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures, regardons un peu dans la Bible, quand nous revenons, dans les Saintes Écritures, Seigneur, merci. Lamita udalasa wa annabarita wa innavlomeras, glota in aksarata vresto. Quand nous lisons, par exemple, vous lisez dans le livre de la Genèse, chapitre 18, verset 1 à 10, ça c'est un très bel exemple, hein? Le livre de la Genèse, quand vous lisez Genèse, c'est Genèse chapitre 18, verset 1 à 10. J'ai une Bible ici là qui est... Voilà, Genèse. On a dit Genèse combien? Genèse 18, ok? Donc, quand tu lis Genèse chapitre 18, j'ai une Bible qui me dérange. Oh, ça c'est quoi ça, Seigneur? Aide-moi. Donc, quand vous lisez le livre de Genèse, tu lis Genèse, quelqu'un va m'aider là, Genèse chapitre 18, à partir du verset 1. La Bible parle de l'histoire d'Abraham. Écoutez-moi bien. Pardon, écoutez-moi bien. Écoute-moi bien. Rapidement, Genèse, je veux la Bible, pardon, aidez-moi. Oh. Genèse chapitre 18. Vous voyez, quand on fait les choses, quand vous n'avez pas le temps, c'est compliqué. Donc, quand vous lisez dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 1, ça c'est quelle Bible ça? La Bible parle de l'histoire d'Abraham. La Bible dit que Abraham, c'est Genèse 18. Voilà, merci beaucoup. Genèse 18, à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. » Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, trois mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans sa tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écouta l'entrée de la tente qui était derrière lui. Donc maintenant, vous voyez, la Bible explique ici, la Bible explique quelque chose d'extraordinaire. Abraham avait un problème. As-tu vu Dieu passer? Abraham, oh, as-tu vu Dieu passer? Frère, as-tu vu Dieu passer? Sœur, as-tu vu Dieu passer? Je crains que tu n'aies laissé Dieu passer depuis longtemps. Dieu est passé. Est-ce que tu peux le rattraper? C'est compliqué. Mais je pose une question. As-tu vu Dieu passer? Abraham était sous l'ombrage des chaînes de Mamré. Pendant qu'Abraham était sous l'ombrage des chaînes de Mamré, il avait un problème qu'il traînait dans sa vie depuis 24 ans. Dieu lui avait donné une promesse. Mais les forteresses maléfiques s'étaient opposées à l'accomplissement de cette promesse dans la vie d'Abraham. C'était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme juste, un homme intègre. Mais ça faisait 24 ans que Dieu lui avait dit, ta femme aura un fils, mais que sa femme persistait dans l'infertilité et que le fils promis n'était pas venu. 24 ans, frère. Et la Bible explique que ce jour-là, Abraham était couché sous l'ombrage d'un arbre et quand il lève la tête, il ouvre les yeux. Il y a trois hommes, il y a trois hommes devant lui. La Bible ne dit pas qu'il y avait Dieu devant Abraham, avec les anges, non. Quand vous lisez, c'est ça qui m'a même marqué, c'était intriguant. La Bible dit qu'Abraham a vu trois hommes. Donc Dieu n'est pas venu avec la parure divine. Il n'est pas venu avec la gloire divine pour attirer l'attention d'Abraham, pour qu'Abraham sache que ça, c'est Dieu qui est devant moi. Non, c'était des hommes. Dieu a revêtu une forme humaine, frère. Ça, normalement, ça empêcherait Abraham de savoir que c'est Dieu. La seule chose qui pouvait sauver Abraham, c'était l'amour vrai pour Dieu, la sincérité, l'innocence et la pureté, l'irréprochabilité du cœur devant Dieu. Je vous dis la vérité, Abraham avait toutes les raisons de dire, mais c'est des inconnus.
Il vient même tout, ça peut être des bandits. Je ne peux pas les recevoir. Bonjour, oui, vous allez au jeu, oui. Allez comme ça. Il pouvait le faire. Mais ce qui a sauvé Abraham ce jour, et laissez-moi vous dire la vérité. Je vous dis la vérité devant Dieu. Eh Seigneur, aide ton peuple. Seigneur, nous sommes parfois aveugles. Pardonne-nous notre aveuglement. Et prétentieux en même temps. Aveugle et prétentieux. Jésus a dit que si vous aviez su confesser, reconnu que vous êtes aveugle, longtemps de cela, vous seriez en train de voir. J'aurais ouvert vos yeux, vous seriez en train de voir. Mais parce que vous dites, nous voyons. C'est pour cela que vous êtes aveugle et que votre aveuglement persiste. Il dit, laissez-les, c'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Frère, Abraham n'avait rien pour qu'il reconnaisse que ça, c'est Dieu. Non, c'est un serviteur de Dieu. Mais cette épreuve, si Abraham l'avait échoué, la promesse ne se serait pas accomplie. Est-ce que quelqu'un croit en ça? Si Abraham avait laissé passer Dieu, qui aurait dit que l'année prochaine, à cette époque, ta femme aura un fils, s'il ne les avait pas accueillis dans sa maison, s'il les avait laissés partir sans les accueillir? Bon, maintenant, le problème, le danger dans ces histoires de « As-tu vu Dieu ?» c'est quoi? C'est que le risque est tellement accru que tu laisses passer ta saison. Parce que tu ne reconnais pas ta saison. Vraiment, il n'y a rien. Dieu ne t'avertit pas, c'est une surprise. Dieu ne te donne aucune explication. Tu es abandonné à toi-même. La seule chose qui va te sauver, c'est l'innocence de ton cœur. La véridicité, la pureté de ton cœur. Dieu ne t'aide pas dans ce jour. Dieu ne t'aide pas. Si tu es vrai envers toi-même, c'est cette vérité de ton âme, cette pureté de ton esprit qui te sauvera. Abraham était intègre. C'était un homme vrai, juste, devant Dieu. Son cœur était innocent. C'est ça qu'il a réussi. Abraham pouvait ne pas les recevoir. Et il aurait dit que Dieu était menteur parce qu'on a promis que ce n'est pas arrivé. Combien d'entre nous, commençant par moi-même, prophète Ferdinand Kané, combien de promesses Dieu nous a données et ces promesses jusqu'à aujourd'hui ne sont pas accomplies. Et toi-même, tu sais que la date est passée. Il y a des prophéties qui se périment. Il y a des prophéties qui se périment. Pourquoi? Parce que avant que Isaac ne naisse, Dieu doit passer, tu dois le voir. Si tu ne réussis pas à voir Dieu, ton Isaac ne naîtra jamais. Plusieurs d'entre nous, nous avons des grossesses qui ont déjà fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, l'enfant refuse de naître. Quelqu'un avait chanté, on attend l'enfant, l'enfant ne vient pas, il est on attend l'enfant. Donc, il y a plusieurs d'entre nous, nous attendons la promesse. Il y a des promesses qui se périment. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un événement important que le ciel prépare dans ta vie, dans les règnes spirituels, Dieu passe d'abord. Il y a d'abord le concours et l'examen du passage de Dieu. Et tu dois voir Dieu. Si tu ne vois pas Dieu dans cette opportunité, tu ne vois pas Dieu dans cette occasion, c'est fini. Dieu m'a dit ce matin que beaucoup, lorsque j'étais dit de parler à mon peuple sur le lavage des pieds et de la face, beaucoup sont qui viennent à Réma, même parmi les anciens, n'ont pas respecté cela. Et c'est pour cela qu'ils sont réprouvés par rapport à la saison de gloire que je vais apporter à mon peuple. Et Dieu m'a dit que tu leur diras ça. Et je n'ai pas vraiment de choix. Vous voyez, être prophète, c'est compliqué. Lorsque Dieu te dit, donne une bonne nouvelle, tu donnes. Quand c'est une mauvaise nouvelle, tu dois donner. C'est un peu ça aussi notre responsabilité. Dieu m'a dit, tous ceux qui ont méprisé leur propre saison, ont méprisé leur propre visitation. Dieu ne t'avertit pas que je suis en train de t'éprouver, sinon l'épreuve ne sera plus l'épreuve. Il n'y a plus d'épreuve dedans. Abraham, ce jour, la Bible dit que pendant 24 ans, Dieu lui disait, ta femme aura un enfant, ta femme aura un fils, ta femme aura un fils. Mais quand? Dieu n'avait jamais dit. Mais dès qu'il a reçu ces trois hommes, la Bible ne dit pas que Dieu et les anges. La Bible dit ces trois hommes. Il a vu trois hommes. C'était des hommes. Abraham, sa position ne lui permettait pas d'aller attraper, courir après le mouton, un agneau ou un veau pour attraper le veau. Mais Abraham leur a dit, il ne les connaissait pas. C'est comme ça que Dieu fait quand Dieu passe dans ta vie. Sachez-le aujourd'hui si vous ne le saviez pas. Avant qu'il y ait explosion dans ta vie, Dieu passera d'abord. Avant que tu entres dans une saison, il y a d'abord Dieu qui doit passer et tu dois voir Dieu. Abraham ne savait pas que c'est Dieu. L'homme-là ne connaissait pas que c'est Dieu. Et Dieu voyait Abraham. Dieu savait que voici mon serviteur. Il pouvait lui dire qu'Abraham, je t'éprouve. Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu regardait comment Abraham allait réagir. Est-ce que Abraham était quelqu'un de bon? Est-ce qu'il était qualifié pour sa saison? Est-ce qu'il était prêt pour cette saison? Et une visitation banale. Abraham est parti lui-même. Il a attrapé, il a dit à sa femme, rapidement. Et ça nous a prouvé même qu'Abraham était un grand cuisinier. Il dit, prends les mesures, lui donne les mesures. Comment il faut faire? Comment il faut préparer? Il connaît la nourriture qu'il faut. Il voit son serviteur prépare. Il est à la cuisine, au four, au moulin. Il vient s'asseoir avec eux. Il apporte du lait, ils boivent ensemble. Il s'est comporté comme s'il les connaissait depuis longtemps. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Dieu a dit, cet homme entre dans sa saison aujourd'hui. Et c'est pour cela que pendant qu'il mangeait, Dieu
dit à Abraham quelque chose que Abraham, il ne lui avait jamais dit pendant 24 ans où il se rencontrait avec Abraham. Dieu lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai et ta femme aura un fils. Problème résolu. À partir de ce moment, Abraham est entré dans sa vraie destinée. Parce que tant que Isaac n'était pas né, Abraham n'entrait pas dans sa destinée. Il entre dans sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu passer. Il a vu dans l'opportunité de faire du bien à ces trois personnes, Dieu passer. Une opportunité de faire du bien à Dieu. Et il l'a fait innocemment, mais il a été étonné. Imaginez-vous ce qui s'est passé après. Lorsque Abraham se rend compte que c'est l'Éternel, vous savez qu'à la fin de la conversation, lorsque Dieu lui dit, Dieu se révèle. Mais Dieu ne se révèle pas au début. Dieu se révèle pas. Dieu se présente comme homme. Mais à la fin, Dieu se présente à Abraham. Il se révèle comme Dieu, comme Adonai Elohim. Et il dit à Abraham, j'ai entendu les péchés, les cris de Sodome et de Gomorre monter jusqu'à moi, jusqu'à mon trône. Oh! Avant que Dieu ne vienne comme Dieu, vers toi, il viendra d'abord comme homme. Si tu as le mépris des pauvres, Abraham pourrait dire à un homme riche comme ça, regarde-moi comment ils sont même habillés en guenilles, en lambeaux. Je vais les aider pourquoi? Les escrocs d'aujourd'hui, je n'ai pas assez d'argent. J'ai les problèmes, etc. Je peux vous assurer que Dieu t'a déjà visité plusieurs fois. Tu ne l'as pas su. Par une pauvre personne qui est venue te demander une petite faveur que tu pouvais faire, tu as refusé. Parfois dans sa maison, je vous dis la vérité, Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de ses serviteurs et des fils qui sont dans la pauvreté et qui le jugent, le condamnent et qui portent sur leur tête l'anathème et le jugement. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, Dieu leur a donné l'opportunité. Dieu a dit, prends de ton argent. Voici ma maison. J'ai besoin de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Tu as l'argent, mais tu ne fais pas ça. Mais tu pries, Seigneur, j'ai des problèmes. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Seigneur, c'est pour moi. J'ai des problèmes. Dieu dit, va prendre ton argent là. Sème ça pour les carreaux dans ma maison. Quand nous avons lancé l'opération carreaux, 20 000 francs le mètre carré. Peut-être c'est les derniers 20 000 francs. Tu avais un problème. On t'a donné les 20 000 francs. Et puis, pour résoudre ton problème. Et Dieu dit à ton esprit, les 20 000 francs là, tu vas rater ton concours que tu veux faire là. Et puis, je veux que tu donnes ça dans ma maison. Tu dis que non, le prophète d'aujourd'hui là, les escrocs. Je vais te donner mes 20 000 francs comme ça là. Et mon concours, je ferai comment après cela? Je vais nourrir ma famille comment? Ok? Et après cela, tu vas prendre les 20 000 francs, tu vas investir dans le concours que tu vas même rater à la fin. Tu as perdu ta destinée. Dieu avait quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus puissant que ce concours que tu voulais faire. Oui. J'ai failli faire le concours de la... J'ai fait le concours de la gendarmerie. Je n'avais pas encore le CPE. Hein. Non, j'avais le CPE, je pense, à l'époque. Donc, j'ai fait le concours de la gendarmerie en 1995. J'ai fait le concours de la gendarmerie. Je suis allé à Garoua déposer mon dossier. Quand j'arrive à Garoua, on me dit que mes dossiers ont disparu. Je suis revenu en Gaoundéré. On a fouillé les dossiers, on n'a pas trouvé. Alors, le colonel qui était le délégué responsable du recrutement là-bas m'a dit, ok, attends, il y a d'autres cartons qui viennent de Garoua. On va regarder. Quand les cartons sont arrivés, il m'a envoyé avec un adjudant chef. On a fouillé là-bas pour mon dossier. Il m'a dit, trouve-moi seulement le dossier. Je vais te faire réussir au concours de la gendarmerie. Mais je n'ai pas pu réussir au concours de la gendarmerie. On n'a pas retrouvé mon dossier a disparu. Bon, imaginez-vous que j'étais gendarme aujourd'hui. Je ne réaliserai pas les choses que je réalise. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Quand Dieu a quelque chose pour toi, confie-toi en sa sagesse. Confie-toi à la sagesse de Dieu. Fais-lui confiance. Dieu connaît ce qu'il y a de mieux pour toi. Aucun gendarme à mon niveau, avec le CPE, ne peut pas réaliser les choses que je réalise aujourd'hui. Non, Dieu avait quelque chose de plus grand que moi. Donc quand Dieu vient dans une saison, il va t'éprouver d'abord. Il va te donner des occasions. Tu peux être à l'église comme ça. C'est le dernier argent que tu as dans ton porte-monnaie. Ça peut mettre la pension scolaire, la pension de ton enfant. En fait, ça peut être un argent qui est pour une chose très importante dans ta vie. Et Dieu te dit dans ton esprit, hein, on en te dit devant, il faut contribuer pour telle chose. Et tu entends une voix dire en toi, prends cet argent, va donner. Et toi, tu combats et tu dis, ah non, je ne peux pas sortir l'argent là parce que je dois aller résoudre ce problème. Le problème est très crucial pour ma vie. Si je ne résous pas le problème, j'aurai les problèmes encore davantage. Et puis, tu ne donnes pas le culte fini, tu rentres avec cet argent et tu pars chez toi. Tu n'as pas reçu les trois hommes qui étaient devant toi. Et tu n'auras jamais la révélation que ces trois hommes étaient en fait ta saison qui était venue et que c'était Dieu qui t'avait rendu visite parce qu'il voulait mettre fin à la souffrance que j'avais portée pendant des années. Abraham avait porté cette souffrance pendant 24 ans de sa vie. En un jour, une action, un bon accueil, c'est fini. La Bible explique que l'année qui suivait, sa femme a accouché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même soirée, un miracle est entré dans la maison d'Abraham. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le chapitre 18 de la Genèse, vous allez découvrir que Abraham lui-même va dire à Dieu que je suis Sarah. Va dire que mais mon Seigneur ne se met plus en érection. C'est ce qu'elle dit. Hein? C'est-à-dire qu'il est déjà vieux, il est usé.
Il est usé. Paul, l'apôtre Paul va encore mieux nous expliquer cela. Abraham était usé. C'est-à-dire qu'il a tellement attendu l'accomplissement de sa prophétie que son corps s'est usé. La prophétie ne s'est pas accomplie. Et sa femme n'avait plus le désir. Donc, les deux n'avaient plus de rapport sexuel. C'est-à-dire que le jour où ils ont reçu ces trois hommes et qu'il a découvert que Dieu était entré dans sa maison et dans sa famille, Abraham a retrouvé son érection. Sa femme a retrouvé encore le goût de faire, d'avoir un rapport sexuel avec son mari. Et la même nuit, il y a eu la bagarre entre le père et la mère. Et c'est la nuit là qu'Isaac est entré, parce que 9 mois après, elle a couché. Ton frère, il a vu Dieu passer. Toi, dans les opportunités que Dieu te donne, est-ce que tu as vu Dieu passer? Et puis Dieu m'a amené encore dans beaucoup de passages, et je ne veux pas lire tous les passages, mais à cause de la difficulté que j'ai aujourd'hui. Mais je vais t'évoquer quand même une ou deux choses, vous voyez. Donc, quand vous regardez encore les Saintes Écritures, tu vas regarder les Saintes Écritures. La Bible parle, par exemple, dans Luc chapitre 10, verset 30 à 37. Tu peux lire à la maison. Luc chapitre 10, verset 30 à 37. J'ai dit que quand tu restes, sois attentif. Sois attentif à l'Esprit de Dieu. Quand vous nous suivez, surtout les prophètes, soyez attentifs. Je vous assure, soyez attentifs. Il y a des choses que quand tu vois, on demande, on parle, on dit l'injonction. Lavons la face, tu ne laves pas. Lavons les pieds, tu ne laves pas. Mon ami, tu as rejeté la visitation de Dieu pour ta vie. Tu as rejeté ta saison. Tu as rejeté la saison où Dieu devrait mettre fin à ta souffrance. Un an après, 9 mois après, l'enfant est venu. Quelque chose qu'ils n'ont pas pu réaliser en 24 ans. En 9 mois, ça dit que le même jour, l'enfant est entré. Pourquoi? Parce qu'Abraham a su discerner la saison. Il a vu Dieu passer dans sa vie. Et il a saisi cette opportunité-là. Donc Dieu viendra toujours dans des choses parfois cachées, des choses apparentes, des apparences légères, ça dit des choses qui ne te permettent pas. Tu n'as rien pour te prouver que ça, c'est l'opportunité. Ça, c'est mon occasion. Je dois saisir cette occasion. Donc, si tu es quelqu'un qui est avare, si Abraham était avare, si Dieu avait trouvé en lui de l'avarisme, Abraham aurait raté. Si Dieu avait trouvé en lui de l'égoïsme, Abraham aurait raté. Si Dieu avait trouvé en lui de l'égocentrisme, Abraham aurait raté. Mais Abraham était un homme bon, au cœur bon. Et ce cœur bon l'a sauvé. Mais toi, as-tu vu Dieu passer? Dans combien d'occasions dans ta vie, Dieu est venu pour te faire du bien? Mais tu n'as pas su. Ton cœur mauvais, ta chicheté, tu as dit, je ne donne pas. Ta méchanceté, tu as dit, je ne donne pas. Non, j'ai des choses à faire. Écoute, c'est Dieu qui bénit. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne subit d'aucun chagrin. Laissez-moi vous raconter une histoire. La Bible, bon, pas la Bible, hein, ça c'est mon expérience, tellement ma tête est dans la Bible. Alors, à une occasion, une maman m'avait offert une belle Mercedes. C'était la plus belle voiture à l'époque de ma vie. Et quand elle m'a offert cette belle Mercedes-là, j'ai retapé la voiture, j'ai arrangé cette voiture-là. Et puis, une nuit, pendant que je dormais, en vision, le Seigneur m'est apparu. Le Seigneur m'a dit, mon fils, la voiture là, la dame va te rappeler pour te demander de lui remettre sa voiture. Je me suis réveillé et j'ai dit à mon épouse que, ok, mon amour, voici ce que la parole éternelle m'a été adressée. Voici ce que la parole éternelle m'a dit. Et puis, 3 jours après, mon téléphone a sonné. Bonjour fils, oui, ça va, oui. Comment va la voiture? Elle va bien. Est-ce que je peux la voir? Oui. Est-ce que tu peux me ramener la voiture? Oui, j'étais prêt à ça. Et donc, j'étais touché dans mon cœur. J'étais attristé au plus fond de mon cœur. Je disais, mais comment quelqu'un peut te donner quelque chose et réclamer encore la chose? La voiture était au garage. Je lui ai dit que la voiture était en train de la réparer, elle est au garage. Et elle m'a dit, non, remorque. On a remorqué la voiture, on lui a ramené sa voiture. Et ce jour, Dieu m'a dit ceci. Ne meurs pas pour quelque chose qui ne ressemble en rien en gloire à ce que j'ai réservé pour toi demain. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Dieu, quand il te demande, il te dit, vide, c'est pour remplir. Quand Dieu te dit, donne, c'est pour te dépouiller. Parce que ces choses-là ne sont plus pour ton niveau. Il veut t'introduire dans la nouvelle dimension. Abraham a compris cela. Donc, dans le passage de Luc, chapitre 10, là, que je viens de citer, c'est l'histoire du Samaritain. La Bible de Jésus-Christ donne une parabole et il explique que quelqu'un a été agressé par des bandits. Et puis, il y a eu un lévite qui passait. Un lévite, c'est un homme d'église qui passait. Et il a vu le monsieur frappé par terre et il est parti. Et puis, il y a un docteur de la loi qui était certainement pressé pour aller prêcher la Bible à l'église parce que les brebis étaient déjà là, la réunion avait déjà commencé, qui a vu le monsieur mourant par terre et il est passé. Et Jésus dit qu'un Samaritain, parce que les Samaritains étaient des personnes rejetées. Les Juifs les considéraient comme des pécheurs, disant qu'ils ne sont pas des Juifs purs, ils sont mêlés aux païens, le sang païen coule en eux. Donc, un Samaritain qui, devant Dieu, n'était pas qualifié, normalement c'est le Lévite, ou le docteur de la loi qui devrait marquer la miséricorde envers ces personnes qui étaient couchées par terre. Mais c'est le Samaritain qui a vu en cela Dieu. Il a vu une opportunité, il a vu Dieu passer dans sa vie et il s'est arrêté.
Jésus explique que cet homme a pris cette personne qui a été agressée, il a pris soin d'elle, il l'a amenée dans un hôpital, il a payé ses factures, il est resté un peu avec cette personne, il a continué son voyage et il est revenu par cet hôpital pour finir les factures. Et Jésus demande donc, qui a vu Dieu? De tout cela, du Lévite, du docteur ou du Samaritain? C'est le Samaritain qui a vu Dieu. Il a compris que c'était une opportunité. Donc maintenant, tu passes, tu vois quelqu'un qui est couché, il est mourant. Tu es enfant de Dieu, tu es en train d'aller à l'église, tu fais quoi? Jésus explique que Dieu prend plus plaisir à la miséricorde qu'en autre chose. La miséricorde est importante. Il s'est arrêté, lui, il a pris soin de ces personnes. Et qui a été justifié parmi tous les trois? Non, c'est celui-ci qui a été béni, c'est celui-là, le Samaritain qui est entré dans sa saison. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu. Dans cette opportunité, Dieu était dedans. Dans cette occasion, Dieu était dedans. Dans cette situation, Dieu était dedans. Mais rien ne lui disait que Dieu était dedans. Il ne pouvait même pas imaginer que Jésus-Christ ferait de cette histoire une parabole. Il ne savait pas qu'il entrerait dans la Bible. Il ne savait pas que les nations de la terre seraient au courant de cela. Pourquoi? Parce que Dieu rendait témoignage de son action. Il est entré aujourd'hui dans les annales des rois, dans les annales des héros de la Bible et de l'Évangile. Pourquoi? Pour une action banale. Il pouvait aussi passer. Mais il a vu Dieu. Combien de fois tu as manqué de voir Dieu dans ta vie? Combien de fois, frère? Parfois, je vous dis la vérité, Seigneur, aide-moi à leur montrer ça. Prenons un exemple. Tu es une femme, tu n'as pas d'enfant, tu veux des enfants. Tu peux arriver à l'église, c'est un exemple que je donne banal. Hein. Tu arrives à l'église et puis on dit, ok, d'accord. Qui peut aller prendre ce seau d'eau là, puiser de l'eau, pardon, rapidement pour venir laver le sol? Toi, tu te dis, non, puiser de l'eau, laver le sol, ce n'est pas mon rôle. Pourtant, c'est tes enfants, ce sont des triplets qui sont dans le lavage du sol là. Mais Dieu ne te dira pas que si tu laves le sol, si tu auras les triplets. Non. La sincérité de ton cœur doit te diriger. S'il y a un brin d'orgueil en toi, tu vas rentrer, tu vas rater. C'est cela que pour voir Dieu passer, tu dois être prêt tous les jours. Pour voir Dieu passer, pour ne pas perdre de telles opportunités. C'est ce que j'ai dit par exemple à mes fils, les musiciens, l'autre jour. Je leur ai dit que j'ai remarqué, partout nous voyageons, quand nous posons des actes prophétiques, vous ne les faites pas. Mais vous ratez des époques, des saisons vous traversent. Et quand Dieu nous bénira, quand les autres enfants passent, il y a des actes prophétiques que tu poses aujourd'hui. L'enfant pose l'acte prophétique là, après 20 ans, quand l'enfant est adulte, l'acte prophétique là vient maintenant s'accomplir dans sa vie. Et Dieu sécurise la vie de l'enfant à cause de ce que la saison a été discernée. Attends, donc il faut comprendre ces choses là, frère. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu demande de faire. Maintenant, Dieu m'a amené, le Seigneur m'a dit, hormis ça, dans le livre de 2 Rois chapitre 13, verset 14 à 19. 2 Rois chapitre 13, verset 14 à 19. Je veux qu'on lise un peu ça. C'est quand Joas va visiter le prophète Élisée. 2 Rois chapitre 13, verset 14 à 19. On va finir avec cela. 2 Rois 17. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai dit 2 Rois. 2 Rois combien? 2 Rois chapitre 13, 14 à 19. Si tu as ça, donne-moi. Je vais lire. 2 Rois chapitre 13, 14 à 19. Ouais. Donc, quand vous lisez 2 Rois, chapitre 13, est-ce que tu as ça? Demande. 2 Rois 13, 14, 19. Regardez ce que la Bible dit. 2 Rois 13. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit, « prends un arc et les flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. » Maintenant, écoutez ce qui est important. Écoute bien. Pardon. Écoute, oh. Please. Écoute. Laisse l'Esprit de Dieu te parler. Écoute-moi bien. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. Ce passage a un problème. As-tu vu Dieu? Le roi Joas n'a pas vu Dieu. Il est allé jusqu'à l'homme de Dieu. Il n'a pas vu Dieu.
Dieu est dans les actes banals. Dieu est dans des choses inattendues. Dieu est dans des choses venant dans ta vie à travers des choses méconnaissables. Des choses qui ne t'avertiront pas que c'est Dieu. Quelqu'un a dit ceci, un savant, un bibliste, un grand bibliste a dit, si Israël, en Jésus-Christ, avait vu Dieu, tout Israël se serait converti au christianisme. Mais ils n'ont pas vu Dieu. Pourtant, ils ont pleuré. Seigneur, délivre-nous. Dieu leur a envoyé son fils. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1, verset 23. Hein? Il dit, oh paternos, en gastri, exei, kai texetai ouyon, kai kalesusi, to onoma autu, Emmanuel, ho estimetermene omenon, methemon hoteos. La Vierge sera enceinte et elle portera dans son ventre un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu sous une forme humaine au milieu de nous. Mais ce Dieu qu'ils attendaient est venu, mais il n'est pas venu en disant « Je suis Dieu ». Ils attendaient que Dieu vienne dans sa gloire, le grand trône blanc de Dieu descend. On voit l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, l'archange Michel, avec le 24 veillards qui entoure le trône de Jésus. Non ! Jésus est venu dans l'apparence d'un pauvre. Jésus est venu sous l'apparence d'un homme. Jésus est venu pas d'une famille riche, d'une famille qui n'avait aucune influence. Et comme leur cœur n'était pas tout entier droit envers Dieu, ils n'ont pas su que c'était la visitation. Jusqu'à aujourd'hui, ils attendent encore Jésus. Pourtant, Jésus est venu il y a plus de 2000 ans. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Peut-être c'est ce qui t'est arrivé à toi-même. Tu attends encore. Pourtant, il est déjà venu, ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. Il est passé. Il est parti. C'est oublié. Et tu attends. Comme les Juifs attendent Jésus. Il n'y aura pas de deuxième Jésus. Jésus est venu une fois. Il reviendra pour juger le monde. Dans ce passage, lorsque vous regardez, frère, il y a quelque chose qui fait mal, qui m'a fait mal. Et j'ai mal pour toi. J'ai mal pour toi qui me regardes. J'ai mal pour ces enfants de Dieu qui ne sont pas attentifs à l'œuvre de l'Éternel. Oh, Seigneur Bali. Niklaus Mazo, Barus Mali, Talos. Mais le roi est arrivé. Il a visité le prophète. C'était une disposition volanistique de sa part. On ne l'a pas obligé. Il a dit, je veux aller rendre visite à l'homme de Dieu. Il a rendu visite à l'homme de Dieu. Tout a bien commencé. Tire la flèche. Il a tiré la flèche par la fenêtre. C'était bien. Maintenant, l'homme de Dieu lui dit, prends la flèche. Frappe le sol. Il frappe 3 fois et il s'arrête. Et l'homme de Dieu se fâche. Il dit, mais il fallait frapper 5-6 fois. Tu aurais vaincu tes ennemis pour toujours. Dieu t'aurait donné une victoire éternelle dans ta vie. Et le roi était venu. Il n'a pas parlé avec le prophète. Son problème, c'était les Syriens. Son problème, c'était que Dieu le délivre des Syriens. Parce que les Syriens étaient une menace. Mais frère, le prophète a dit, frappe la terre. Frappe, c'est quand même bizarre. C'est ambigu. Frappe la terre, c'est ambigu, frère. Le roi était... Le roi ne savait pas. Il n'était pas préparé. Frappe la terre. Je peux frapper une fois. On m'a dit frappe. On ne m'a pas donné le nombre de frappes. J'ai frappé. Pour frapper une fois. Lui, il est allé loin. Il a frappé 3 fois. On ne lui a pas dit frappe plusieurs fois. On n'a pas dit frappe 3 fois. Mais c'était simple de lui dire, roi, frappe 6 fois, frappe 7 fois, c'est tout. Pourquoi lui compliquer la vie? Il fallait lui dire simplement frappe 2 fois, frappe 3 fois, frappe 4 fois, frappe 6 fois, c'était tout. Mais l'Esprit de Dieu a dit frappe. Avait-il vu Dieu? Le roi Joas n'a pas vu Dieu. Il n'a pas su que Dieu lui donnait la victoire éternelle sur les Syriens. Il n'a pas su que cette visite était une visite où sa vie changerait pour toujours. Où Dieu lui donnait la suprématie sur ses ennemis jusqu'à sa mort. Mais il a raté cette saison. Parce qu'il n'a pas fait ce qui devrait être fait. Peut-être parce que le cœur du roi Joas avait quelque chose. Quelque chose qui lui empêchait d'entrer dans cette saison. Il fallait frapper. Il fallait frapper encore et encore jusqu'à casser la flèche. Frapper jusqu'à ce que la bouche qui a dit frappe dise arrête de frapper. Mais il a frappé 3 fois et il a échoué. Je vais finir avec ceci, mes chers amis. Combien de fois as-tu frappé ta flèche? Un homme de Dieu qui m'est beaucoup cher est venu me rendre visite un jour. Et quand il m'a rendu cette visite, chez moi, il m'a dit, je suis venu te voir en tant que frère. Rien n'a marché. Je suis venu te voir en tant qu'ami. Je n'ai pas profité de toi, de tes grâces, de grâces que Dieu t'a fait voir et vivre. Et il m'a dit, aujourd'hui, oublie que je suis ton collègue. Oublie que je suis ton frère. Oublie que je suis ton ami. Je viens comme un vase vide qui a besoin d'être rempli. Il s'est mis à genoux. Et il a pleuré et j'étais embarrassé.
Et lorsqu'il a fait cela, il m'a dit, je veux la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit sur mon ministère? C'est un homme de Dieu, un érudit dans la parole, un érudit de haute classe. Qu'est-ce que Dieu dit, mon frère? Je viens consulter le prophète parce que j'ai vu la grâce que tu portes. Balata wa annahulel. Wa innau bali annau. Seigneur, sauve-nous de l'aveuglement, je t'en prie. Oh, malgré nos justifications, aide-nous, Jésus. Père, aide ceux qui me suivent. Ceux qui suivront après, aide-les, Seigneur. Aide-nous. Je suis monté dans ma chambre. Quand je suis monté dans ma chambre, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je suis embarrassé. Cet homme est un homme de Dieu de haut vol. Et il me demande ta parole. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et la parole de l'Éternel m'a été adressée. Dieu m'a dit, prends deux bouteilles d'huile de faveur. J'ai pris deux bouteilles d'huile de faveur. Et le Seigneur m'a dit, vide une. Et j'ai vidé une. Il m'a dit, remplis l'une. J'ai rempli l'une. Et Dieu m'a dit, tourne ça. Mets en sorte que l'huile ne déborde pas la fiche de l'huile de faveur. J'ai mis en sorte que tu ne vois pas s'il y a l'huile ou pas. Et Dieu m'a dit, va et dépose ces deux bouteilles devant lui. La bouteille qu'il choisira sera la prophétie de son ministère. Mon cœur s'est mis à battre. Et s'il choisissait la bouteille vide, alors qu'est-ce que je dirais? Et Dieu m'a dit, s'il choisit la bouteille vide, dis-lui que son ministère s'arrêtera. J'ai dit, et s'il choisit, en me disant, s'il choisit la bouteille pleine, dis-lui que son ministère atteindra la plénitude. Alors je suis descendu ce jour-là et j'ai caché les deux bouteilles, j'ai posé les deux bouteilles sur la table. J'ai choisi une bouteille et il a choisi une bouteille. Et je vous dis la vérité, j'avais les yeux fermés en intercédant, je priais, Seigneur, qu'il choisisse la bouteille pleine. Et quand j'ai ouvert les yeux, dans sa main, il y avait une bouteille vide. Frère, j'étais catastrophé, j'étais époustouflé, j'étais époumonné, j'étais ahuri, j'étais tourmenté dans mon âme. Qu'est-ce que je devrais lui dire? Frère, ton ministère est mort aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éternel ôte le ministère de dessus ta vie. Quand il a tourné l'autre bouteille, il s'est rendu compte que l'autre bouteille était pleine d'huile. Il a paniqué lui aussi. Et il m'a demandé, homme de Dieu, dis-moi la vérité, qu'est-ce que ça signifie? J'étais embarrassé. Je vous dis la vérité. J'étais embarrassé. Comment fallait-il lui annoncer que son ministère allait mourir? Comment? Comment, frère? Il était venu avec des pleurs. Il était venu tenant mes pieds. Il était venu s'attendant à la parole de l'Éternel. Et maintenant, l'Éternel me confond et Dieu me confond avec une telle parole. Comment devrais-je lui annoncer cela? C'était compliqué. J'ai dit ce que je pouvais lui dire. J'ai essayé de le consoler. Et à l'heure où je parle, son ministère est fermé. Il n'a plus de ministère. Un ministère qui était un référent dans cette ville. Son ministère n'existe plus. Il a arrêté le ministère. Il a arrêté. La saison était passée. Il avait raté la saison. Je prie que Dieu nous aide à ne plus rater les saisons. À ne pas rater. C'est ma prière, je suis sincère. À ne pas rater. Nous avons une nuit de flamme comme celle-ci. Tu as les capacités de venir. Parfois même Dieu fera que tu n'aies pas l'argent. Dieu vide tes poches pour voir si tu seras capable de quitter ta maison à pied pour aller dans sa maison. Tu dois te montrer digne de l'élévation qui vient de Dieu. Tu dois te montrer digne de ta saison. Tout ce que vous voyez dans les saisons opérées dans certaines dimensions sont passées par des épreuves. Dieu va toujours venir sans t'avertir. Qu'est-ce qui s'était passé? Tu restes chez toi et après tu ne te marieras plus jamais. Parce que c'est lors d'une nuit de prière comme celle-ci que l'ange du mariage avait été envoyé pour toi. Vous n'avez jamais vu qu'on prophétise à l'église, qu'on dise qu'il y a une femme qui s'appelle comme ça. Et on dit qu'elle n'est pas là. Ou elle était là hier. Au programme, elle est venue pour le programme hier. Mais aujourd'hui, elle n'est pas venue. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça. Mais j'ai vécu ça plusieurs fois. Ça veut dire quoi? L'ange de la visitation de cette personne est venu avec sa saison. Mais le jour-là, la personne n'est pas venue. C'est ça la vérité que vous devez savoir. Il y a des programmes que Dieu fait, c'est pour toi. Mais tu ne viens pas. Tu trouves des raisons. Je n'ai pas l'argent de transport. Dieu dit, ok, comme tu ne peux pas marcher à pied, comme le don, mon don pour toi, ne mérite pas que tu marches à pied, ok, tu n'auras donc rien. Meurs dans ton problème. Et tu te rends compte que ton problème n'a pas de solution. C'est ça le problème, c'est ça la vérité. Donc Dieu t'éprouvera par tous les moyens, mais tu ne le sauras jamais. C'est si ton cœur est vrai que tu profiteras. Écoutez, mes amis, je pleure sur plusieurs personnes. Mais surtout, je pleure
Sur ceux qui n'ont pas respecté le lavage des pieds et de la face, vous avez manqué votre saison. Vous savez que je suis un prophète, j'ai pas... Moi, vraiment, si Dieu me dit, va dire que tel va mourir, je te dis que tu vas mourir. J'ai pas peur, j'ai peur de personne. Je dis la parole éternelle, je suis un vendu. Dieu m'a acheté, il m'a vendu. Donc, tous ceux qui n'ont pas respecté, commençant par les enfants de notre ministère, qui ont méprisé la parole de l'éternel, vous ne connaissez pas quel genre de prophète je suis. Vous pensez me connaître, vous ne me connaissez pas. Parce que, après les oracles de l'éternel sur les nations et les rois de la terre, sur mon pays, tu ne peux pas jouer avec un homme que Dieu a utilisé pour annoncer des choses cachées qui se sont accomplies à la lettre. La parole de l'Éternel lui a adressé et tu méprises cette parole. Tu es fou, tu es disqualifié. Tu es complètement fou. Tu ne comprends rien. Tu es réprouvé des choses spirituelles. La Bible dit, sois étranger à la vie de Dieu. Mais quand même, frère, tu vois le palmarès d'un homme de Dieu. Et puis cet homme de Dieu vient et il te dit, ainsi m'a parlé l'Éternel. À chaque fois que j'ai dit, ainsi m'a parlé l'Éternel, mon ami, attache ta ceinture. Attache ta ceinture. J'ai dit à quelqu'un que, si j'ai dit à quelqu'un que ainsi parle l'Éternel, et que tu es dans le collimateur de mon ainsi parle l'Éternel, mon ami, tu ne peux pas échapper. Parce que Dieu m'a dit, aucune des paroles que j'ai prononcées à ton égard, je ne la laisserai sans l'exécuter. Il faut faire attention. Il y a des hommes quand même qu'il faut considérer d'abord le background. C'est-à-dire que tu considères... C'est ça que beaucoup d'enfants autour de nous vont mourir. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir. Je vous dis, beaucoup vont mourir. Plusieurs. Il y a des cadavres. Beaucoup vont mourir. Pourquoi? Parce que la familiarité. On se dit, ok, on sourit et tout. Mais il faut faire attention. Faisons attention. Lorsque tu te rends compte que cet homme, cette femme, la parole de l'Éternel est certaine dans sa bouche, il faut faire attention. Vous savez que j'ai raconté l'histoire d'un de mes fils, à l'époque où je construisais encore, qu'ils m'ont pris l'argent. La parole de Dieu est dangereuse dans ma bouche, mes amis. Elle est dangereuse. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un homme parfait. Loin de là. Je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Non. Je ne suis pas plus saint ni plus juste que toi. Non. Je n'ai jamais prétendu ça. Dieu m'est témoin. Au contraire, je suis le vermisseau d'entre les 10 milliers. Mais Dieu m'a fait grâce de connaître les secrets des rois. C'est une grâce imméritée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit à ce fils, à moi, j'étais en Gaoundéré, j'apprends que vous volez mon argent. C'est-à-dire que je parle comme ça, je profite pour dire à tous ceux qui sont dans le département des finances, de Réma Ministre, tous les enfants qui m'entourent, tu as déjà mangé 5 francs, tu as volé 5 francs. Qui appartient à mon Dieu, ce n'est pas moi que tu as volé, tu t'es volé toi-même. Tu as mangé ta propre destinée. C'est-à-dire que toutes les richesses de ton avenir, tu les as sacrifiées. Ça n'arrivera plus jamais. Je veux que vous sachiez ça. Tous les délégués de finances qui travaillent dans le département des finances, dans notre ministère, volez l'argent à l'église, même si c'est un franc, un demi-franc, vous en payerez de votre destin. Votre destinée a été dévorée. Il n'y aura plus jamais de relèvement pour vous. Je vous dis la vérité. Donc j'ai dit à ce fils, à moi, au téléphone, je lui ai dit, si tu as mangé 5 francs injustement sur ce chantier, puisque je te paye comme cela se doit, tu as mangé 5 francs injustement dans ce chantier. Écoutez mes amis, la main de Dieu est puissante dans ma vie. Et je ne suis pas serviteur de Dieu par vocation seulement. Je suis serviteur de Dieu par vocation et par serment de l'Éternel. Le serment de Dieu sur ma tête. Le serment de Dieu sur ma tête. Je peux ne pas te plaire, je m'en fous. D'ailleurs, toi, je ne te connais même pas. Mais ça n'empêche pas que le serment de Dieu est sur ma tête. Je lui ai dit ceci. Si vous avez pris 5 francs sur ce chantier, je vous dis par l'Éternel qui m'a appelé. Toi et ton épouse, vous allez fuir votre maison en plein jour. Vous allez fuir la ville de Yaoundé en plein jour. Et ils avaient volé l'argent. Ils avaient pris de l'argent. Et la parole, la mauvaise parole que j'avais dit sur eux est arrivée. Un jour, en plein midi, ils ont fui la maison. Cherchés par la police. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Recherchés. Donc, quand même, frère, ça peut nous avertir. Quand tu as un homme de Dieu en face de toi, que tu sais que l'Éternel ne joue pas avec la parole qui sort de sa bouche, et qui te dit, par exemple, que l'Éternel, quand on dit déjà l'Éternel, a dit, craigne. Quand on dit l'Éternel, quand, si moi, je veux parler de moi, hein, les autres, je ne sais pas, si je dis l'Éternel, a dit, mon ami, fais attention. Si moi, prophète Ferdinand Kane,
où mon épouse, Maman Shalom et Kanel, nous disons, l'Éternel a dit, à partir de ce moment, prends cette parole avec tremblement, parce que c'est dangereux. C'est l'Éternel qui a dit. Et la chose arrivera. Donc quand on dit, ok, nous sommes là, on a deux grands cultes qu'on doit clôturer. Tu restes chez toi. Tu vas accuser qui après? Moi? Non. Nous réussissons parce que nous avons l'intelligence des filles d'Issachar. Nous comprenons les temps et les saisons. Je vous dis la vérité. La nuit de flamme d'aujourd'hui, tu manques la nuit de flamme si ça te regarde. Hein. La nuit, si tu manques, ça te regarde. Dieu m'a dit de consacrer les familles. Je vais mettre l'huile sur les gens. On va mettre l'huile sur les familles. Les familles seront consacrées à l'Éternel. La nuit, si. La nuit, si. La nuit, si. This night. Tonight. Ah, ok. Si tu manques, pardon. Ne me salue plus en route. Ne me salue pas. Tu m'appelles papa, je ne veux pas répondre. Je fais comme si je ne te connais pas. Parce que tu n'aimes pas ta vie. Tu n'aimes pas ton enfant. Prends ton enfant. Ne dis pas que non, c'est l'enfant. Oh, la nuit, je m'en vais avec l'enfant. Prends ton enfant. Si tu aimes cet enfant, tu ne sais pas ce que Dieu va déposer sur cet enfant. Tu ne sais pas ce que la parole de l'Éternel va faire dans la vie de cet enfant. Prends ta femme. Prends ton enfant. Prends ta famille. Venez. À partir de 21h, en Kouaban, ici à Yaoundé. Laisse Dieu te toucher. Moi, je t'aide. Hein. Non, moi, je ne dois même pas t'aider. Mais je veux t'aider. Par amour. Laisse Dieu te toucher. Si tu aimes ta vie, sois connecté. Toi qui n'es pas capable d'être là. 22h, connecte-toi à ce nuit de prière. Mais, de mes gars, connecte-toi. Parce que les mêmes actes prophétiques, la même gloire que Dieu va libérer sur son peuple, en direct, dans la salle, sera libérée. Sur tous ceux qui seront connectés. Donc, frère, s'il vous plaît, ne laisse pas Dieu passer. As-tu vu Dieu? Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, la main de Dieu est sur nous et nous bénissons le Seigneur dans le nom précieux de Jésus. Père, merci pour tous ceux qui ont écouté cette parole. Je prie que les écailles tombent de nos yeux pour voir Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous aideras à discerner la saison et la bonne saison au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais encore dire que nous avons toujours l'opération des carreaux qui est lancée. Vraiment, c'est des opportunités. S'il te plaît. C'est des opportunités qu'il ne faut pas jouer avec. Nous avons lancé, on a commencé déjà les travaux. Et comme j'ai commencé à expliquer hier, nous sommes en train de faire des bureaux. Je n'ai pas encore de bureau. Momi n'a pas de bureau. Donc, nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse avoir déjà un bureau. Hein? Quel est son bureau? Que j'ai mon bureau? Bien, nous allons partager le même bureau dans tous les cas. Et des appartements de retraite. Oh, on peut recevoir des hommes de Dieu, etc. Donc, on est en train de faire ça. On a commencé. Les travaux ont déjà commencé. Donc les 20 000 que vous souscrivez servent à ce travail. C'est-à-dire que nous allons travailler pour sortir les bureaux et les appartements. Les appartements, vraiment, ce sera des appartements au standing. Et nous allons aussi faire les balcons une fois pour que les overflows, on n'ait plus les gens dehors. Parce que vous savez que la salle ne nous suffit plus. Donc, et faire deux cultes pour moi, c'est très pénible. Avec aller en quoi Douala et tout ça, c'est compliqué. Donc, on est en train de commencer les appartements et nous allons continuer directement avec les balcons. Et on va construire les balcons une seule fois. Donc, ça fait qu'il y aura les gens en haut et les gens en bas. Donc, quand tu envoies, tu souscris le mètre carré à 20 000. Tu prends un mètre carré, tu prends 10 000 mètres carrés, tu prends même tout ça. C'est pour ta vie et c'est pour tes enfants. Tu profites. Tu ouvres l'opportunité de Dieu dans ta vie. Donc, voici les numéros. Pour ceux qui veulent envoyer leur argent maintenant, tu peux le faire. C'est deux numéros. 692 40 71 86. 692 40 71 86. Ça, c'est Orange Money. 692 40 71 86. Pour ceux qui ont Momo, tu peux faire ton transfert à partir de maintenant au 672 13 03 23. 672 13 03 23. Ne laisse pas cette opportunité passer. Donc, pour le numéro WhatsApp, c'est le 692 40 71 86. 692 40 71 86. Donc, je vais prier avec une ou deux personnes rapidement. Et je vois, je suis en France, je veux envoyer l'argent. Donc, non, fermez. Je suis en France, je vais envoyer l'argent. Donc, vous pouvez envoyer au nom de Mousseni Rose, Mireille Rose, Mousseni Otam. Donc, vous pouvez envoyer au nom de Mireille, ceux qui sont en Europe, vous voulez faire Western Union maintenant, envoyez ça au nom de Mireille Rose, Mousseni Otam. Mireille Rose, Mousseni Otam. Voilà. Ou alors, au nom de Madame Emongue Sopo. Non, Madame Eugénie
Emonge, Sopo, épouse Mukoko Poli. Dans ces deux noms, écoutez bien, vous pouvez réécouter le nom, s'il vous plaît, réécouter ces noms pour que vous ne fassiez pas votre transfert aux arnaqueurs. Donc, pour ceux qui envoient Orange Money, ça sera à mon propre nom et que Dieu te bénisse comme tu le fais. Et ceux qui veulent envoyer à partir de l'Europe, vous envoie au nom de Mousseni Mireille Rose, Mousseni Otam, ou au nom de Eugénie Emungue Sopo. Eugénie Emungue Sopo. Si ce n'est pas les deux noms-ci, c'est que c'est des arnaqueurs. On n'a plus d'autres personnes qui fassent cela et les gens se font arnaquer beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait le numéro Orange Money en mon nom pour vous permettre de ne plus vous faire arnaquer. Donc que Dieu te bénisse. De la nuit de flamme, c'est tout à l'heure. Je veux que tu me dises comment tu te prépares pour cette nuit de flamme. Est-ce que tu as un témoignage pendant les mois de lavement de la face de pied, etc. Nous voulons juste écouter le témoignage ce matin. Et tu nous dis aussi comment tu te prépares pour la nuit de flamme de tout à l'heure. En quelques minutes, je veux parler avec quelques personnes seulement. Et après cela, nous allons prier. Allô? La personne est passée. Elle est partie. Ok, d'accord. On va reprendre. Oui, ok. Les standards sont ouverts et vous pouvez appeler. 692 40 71 86 672 13 03 23. Ou bien par WhatsApp, voilà. Donc, ah, ok, d'accord, je vois WhatsApp. Il n'y a pas... données mobiles n'ont pas été... Ok. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, ça va. Comment vous allez? Ça va, merci Dieu. D'accord, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle Yangé. Pardon? Ok, d'accord. C'est pour un sujet de prière. Comment vous préparez pour la nuit de flamme déjà? Bon, pour la nuit de flamme, je vais assister. Je prie le Seigneur de me localiser ce soir. Non, il y aura des prophéties terribles ce soir. Je vous dis la vérité. Dieu va parler au maximum de personnes. Maximum. Maximum de personnes ce soir. C'est la folie. D'accord, maman, nous vous attendons. Vous êtes mon invité personnel. Tous ceux qui me suivent, vous êtes mes invités. Hein? Mes invités personnels. Personnels. Ne restez pas chez toi. Ok, maman, vous avez un témoignage ou bien un sujet de prière? Un sujet de prière. D'accord, allez-y. Je voulais que le Seigneur me sort de la situation dans laquelle je suis endettée jusqu'au fond. D'accord, ça va. Si c'est le cas, ce n'est que ça. Je vous attends le soir. Vous comprenez? Amen. Oui, parce que le soir, Dieu va vous bénir au nom de Jésus. Amen. On va résoudre ça. C'est rien. C'est pour ça qu'il y a la nuit de prière. La nuit de prière, ce sera redoutable. Ce n'est pas une nuit de prière. C'est une saison que Dieu te donne. C'est l'opportunité d'entrer dans ta saison. Donc, ne reste pas à la maison chez toi. Ça, c'est une opportunité d'entrer dans ta saison. Ce n'est pas une nuit de prière. C'est l'opportunité d'entrer dans ta saison. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô, papa, bonjour. Bonjour, oui, ça va? Oui, je suis te... Allô? 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 Bon, c'est ce soir. Allô, oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Nous qui sommes devant, comment? Vous appelez d'où? Écoutez, si vous préparez votre bouteille d'huile à la maison, je vais la bénir. En France, il y a l'huile de faveur chez Maman Adidja. On est en train de se battre pour qu'elle remette cette huile-là à Maman Bema. Donc, dès que ça sera fait, je vous communiquerai un numéro par lequel, en Europe, vous pouvez vous procurer votre bouteille d'huile de faveur. Ok? Ok, papa. Donc, vous tenez votre huile prête. Soyez connectés, mais avec votre bouteille d'huile. Je vais bénir cette huile-là et la grâce de Dieu va se manifester. Merci à vous aussi. Bye. Donc, voilà, ça c'est... Nous bénissons le Seigneur. Allô, bonjour. Allô? Non, ce n'est pas des jouets. Connecte-toi. 22h, sois connecté. Ne joue pas avec. On va prendre quelqu'un d'autre. Sois connecté. Ceux qui sont à distance, gardez votre bouteille d'huile si vous n'avez pas l'huile de faveur. Ceux qui sont en Europe, il y a l'huile de faveur. Les gens demandent comment appeler. Appelez-nous. Allô? Au 692
40 71 86. Alors? 692 40 71 86. Quand je fais le direct comme ça, l'équipe serait en train de mettre le numéro. Oui, bonjour madame. Merci, papa, bonjour. Oui, vous appelez d'où s'il vous plaît? Allô? Oui, vous appelez d'où? Bon, j'appelle depuis Mélène. Depuis Mélène. D'accord maman, dites-nous, c'est un témoignage ou un sujet de prière? Déjà vous préparez comment pour la nuit de flamme? Un témoignage, parce que la dernière fois, la semaine passée, je pense que c'est la semaine passée. Oui. J'appelle la télé, je vous ai trouvé, vous avez demandé de chercher une bouteille d'eau et laver les pieds. Oui. Et après avoir lavé les pieds, on aura des surprises dans nos maisons, oui. Des choses vont tomber. Mm-hmm. Bon, ma première fois aussi, j'ai aussi fait. Et les souris sont sorties de nulle part. Oui. Mort. On ne sait pas, on n'a même pas mis les remèdes des souris. Mm-hmm. De nulle part. Vraiment, j'étais vraiment, ça m'a beaucoup. Ça dit que c'était des animaux totémiques. Ça, c'est clair, hein. La puissance de Dieu. Voilà pourquoi. Partout dans la maison. Ah. On n'a même pas mis les remèdes. Mm-hmm. Ça, on était tellement contents. Mm. Tellement. On ne sait même pas où est située l'église. Vraiment, c'est un miracle pour nous. Mm. Ouais, l'église c'est en Kouaban. Quand vous arrivez au Carrefour Kouaban, vous comprenez? Oui, je vous écoute. Quand vous arrivez au Carrefour Kouaban, demandez tout simplement qu'on vous dépose à la BIR. D'accord. La BIR, Base Internationale Réma, la grande église, la BIR ou bien Réma. Tout le monde connaît à cause des œuvres merveilleuses que le Saint-Esprit opère au milieu de nous. Donc nous serons très très heureux de vous accueillir, mon épouse et moi, ce soir. Nous serons très enchantés. Très enchantés. Oui, d'accueillir toute votre famille et laissez que Dieu vous introduise dans votre saison. Que Dieu vous bénisse. Wow. Merci infiniment. Wow, bye. Vous voyez, ce n'est pas une nuit de prière. Dieu t'introduit dans ta saison. Donc, si tu as soif d'une saison que tu attends, c'est une nuit de prière pour toi, s'il te plaît. À partir de 21h, sois déjà à la BIR et Dieu se manifestera avec puissance dans ta vie. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour à vous. Comment vous allez? Mm-hmm. Bon. Ça va. Vous appelez d'où? Depuis Bangante. Oui. Que Dieu vous bénisse à Bangante. Est-ce que vous avez un témoignage pour nous ce matin? Un sujet de prière. Un sujet de prière. D'accord, dites-nous okay. Alors le sujet. Ok, papa. Je suis une jeune fille de 22 ans. L'année passée, je suis tombée enceinte et le père de mes enfants m'a abandonnée jusqu'aujourd'hui. Donc, j'ai accouché les jumeaux. Vraiment, mon état actuel ne nous permet pas, maman et moi, de prendre soin de ses enfants. Moi, je voulais que mon père prenne soin de ses enfants et nous. Mm-hmm. D'accord. D'accord. Et après ça, vous allez encore faire combien d'enfants avant le mariage? C'est après le mariage. Moi, je ne sais plus faire d'autres enfants. Seigneur, je prie pour tous ceux qui vont faire leur transfert, ou même maintenant et ou bien Momo, que ta grâce soit dans leur vie. Et au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es vrai. Au nom de Jésus. Amen. D'accord, je prie que Dieu vous donne la sagesse. Vous comprenez? Normalement, vous devriez pas accepter avoir des enfants avec quelqu'un qui ne vous a pas épousé. C'est-à-dire que c'est une loi. Vaut mieux mourir sans enfant que d'avoir des enfants dont les parents vont les abandonner. Père, je prie au nom souverain de Jésus que ta grâce soit dans la vie de cet enfant et qu'elle soit restaurée. Que le père de son enfant prenne soin de l'enfant. Au nom de Jésus. Amen. Nous ne serons même pas là en train de prier qu'un homme prenne soin de son enfant. Moi, je ne comprends pas parfois les hommes. Que Dieu vous bénisse, voilà. Donc, je ne comprends pas ça sincèrement. Si j'étais une femme, hein, vous alliez voir. Il y a des choses que je n'allais pas accepter. Si moi, j'étais une femme, mais je bénis Dieu quand je suis un homme, il n'y a pas de problème. Toi, tu bénis Dieu quand tu es une femme. Allô, bonjour. Allô? 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 On prend quelqu'un d'autre? Allô, bonjour. Allô. Allô. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, bonjour madame. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô, vous appelez d'où? Allô, bonjour. Allô. Oui, vous appelez d'où? Depuis Douala. Allô. Oui, quel est votre sujet? C'est un sujet de depuis prière Douala. Ou bien... C'est pas un sujet de prière ou bien un depuis témoignage? Douala. D'accord, allez-y. Papa, allô? Oh, on va prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. 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 Bonjour, madame.
Bonjour, vous appelez d'où? J'appelle depuis Yaoundé, papa. D'accord, c'est pour un témoignage ou un sujet de prière? Oui, c'est un témoignage. Papa. Ok, d'accord. Avant le témoignage, s'il vous plaît, comment vous vous préparez pour la grande nuit des flammes qui aura lieu tout à l'heure à 21h à la Bire, en Kouaba? Papa, je me prépare très bien. Oui. C'est un privilège pour moi. Je suis contente d'être là ce soir. Amen. On a resté déjà à côté, papa. Oh, ça c'est extraordinaire, ça. Nous serons contents, mon ami et moi, de vous accueillir tout à l'heure. Hein? Amen, papa. Amen. D'accord. Votre témoignage, c'est quoi? Elle est déjà sous l'onction. Avant la venue de prière, la grâce de Dieu. Quand tu sors de la présence de Dieu, c'est ça les conséquences. Père, que ta gloire tombe sur elle maintenant au nom de Jésus. De la tête, jusqu'au pied, la main de Dieu agit. Papa. Oui. J'étais à la nuit de prière le mois de février. Oui. Oui, vous avez prié sur moi. Je suis venue avec l'échographie où on disait que j'avais les kystes. Oui. Vous avez prié sur ça, papa. Vous avez demandé que je parte faire l'échographie. Ça a disparu. Oui. Papa, je suis partie faire au mois de mars, le 26 mars. Mm-hmm. Quand j'arrive là-bas, le docteur a dit que il ne voit plus rien. Wow. Il ne voit plus rien, papa. Wow. Quand je suis rentrée sur moi, j'étais... Oh, Mazar. J'ai 13 ans de mariage. Mm. Sans enfant. Ah. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants, papa. Tout le monde a déjà les enfants. J'étais la seule. Wow. Je suis la seule qui n'avait pas encore d'enfants. Papa, comme je vous parle là maintenant, le 26 est déjà passé, le 26 avril est déjà passé, papa. Wow. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu le mensonge. Vous n'avez pas vu le mensonge, je me lève, je cours d'abord. Oui. Vous voyez les mensonges. Oui. Aujourd'hui, le 26 avril est passé. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, papa. Wow. Je n'ai pas vu, papa. je suis dépassée. Jésus. Mon corps est enflammé, papa. C'est enflammé, papa. Écoutez, madame. Votre saison est arrivée. Dieu nettoie les larmes de vos yeux aujourd'hui. Dieu ôte le vêtement de la honte de votre vie. Et je prie, toute autre femme qui me suit, qui est mariée, qui n'arrive pas à faire des enfants, la même grâce que Dieu a déposée sur vous, je dépose aussi la même grâce dans leur vie, humblement devant mon Seigneur. Père, que des jumeaux, des triplets soient déposés dans le ventre de la stérile. Et que celle qui était appelée stérile, enfante de princes et de princesses, au nom puissant et souverain de Jésus, amen. Vous voyez, frère? Oui, maman, nous vous écoutons. Oui. Papa, oui. Quand vous avez prié, vous avez sanctifié le j'ai vu. Papa, le nom a commencé, quand vous avez parlé de la pauvreté, oui. Le nom a commencé à démanger. Wow. Papa, l'onction m'a saisi. J'ai crié parce que quand ça arrive, toi, moi, je ferme la porte. Oui. Je prie, je me connecte. Papa, tous ces jours-ci, on est parti faire le chant. On est en train de faire le chant de pâtèque, papa. Oui, oui. Quand on est revenu, la main me démange, papa. Mm. Même quand on travaillait au chant, papa, je n'ai pas encore dit à l'homme de Dieu que j'ai déjà un retard, je suis en tête. Seigneur, oui, papa. Woo! J'ai prié le Seigneur pour le Seigneur, le grand Dieu, que Jésus, Mazali. Pour moi, je suis en tête, je suis dans ta maison. Amen. 11 ans de mariage. Maman, que Dieu vous bénisse et apporte 13 ans sans enfant. Juste, elle a obéi à l'injonction prophétique. C'est ce qu'on a dit, non? Si cette femme n'avait pas lavé ses pieds et sa face, si elle avait dit que non, moi, je suis la femme d'un homme de Dieu, non, je ne peux pas faire comme ça. Non, il faut faire attention. Elle a compris, elle a vu Dieu passer. Qui a vu Dieu passer? Qui me dira s'il a vu Dieu passer? Elle a vu Dieu passer. Et là, voilà, 13 ans. Elle a été délivrée, elle est enceinte et nous bénissons Dieu. Maman, apportez-moi les deux échographies, apportez-moi les résultats des échographies ce soir. Ce soir, papa.
D'accord. Venez avec moi-même. Je vais parler avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen, papa. Voyez, ça revient à ce que nous avons dit aux gens. Hein. Voilà ça. Cette femme, elle a cru 13 ans de mariage sans enfant avec son mari. Elle a obéi aux injonctions prophétiques. Et voilà, elle est enceinte aujourd'hui. Nous bénissons le nom du Seigneur. Si elle avait dit non, oh, on lave le visage, on fait ceci, ah, c'est quoi ça, les disons, elle serait encore aujourd'hui stérile. Donc elle dirait quoi? Que Dieu ne lui a pas rendu visite? Non! Dieu l'a visitée au jour favorable, mais elle n'a pas su. C'est ça le problème. Allô, bonjour. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Allô? 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 J'ai quelqu'un en ligne là. C'est la France, certainement. Allô? 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 La connexion, normalement, est supposée être bonne en France, plus qu'ici, non? Nous, là, ici, on a même la connexion ici, là. Pour nous, c'est la guerre. La connexion du village. Allô? Bonjour? Bon, je vais raccrocher. Elle va nous rappeler. Donc, j'essaie de faire une alternance comme ça entre... Bonjour, allô? 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 Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, papa. Oui, vous appelez d'où? Vous appelez d'où? Prends quelqu'un d'autre, rapidement. Allô, bonjour? Allô? Je pense qu'il nous faudra plusieurs téléphones ici. Hein. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Oui, bonjour. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Moi, j'appelle depuis Douala. Douala, d'accord. C'est pour un témoignage ou un sujet de prière? Non, c'est pour un sujet de prière. Déjà, comment vous préparez la nuit de flammes d'aujourd'hui? Je l'attends avec impatience, fait que c'est ma première fois aussi. Mm-hmm. Bon, monsieur, madame est tombée sur le programme, on a dit qu'on va faire ça parce que comment elle a des difficultés depuis... Malade. Dès qu'on finit avec tel problème, notre problème commence. Notre problème commence. Ok. Quand elle est tombée sur ça, j'ai dit non. Il faudrait que j'appelle. Parce que il y a 2 ans, je vous ai rencontré à l'hôtel Sawa. Vous étiez avec votre voiture blanche. Mais vous n'aviez pas le temps. Ce jour-là. Ok. Comme je sais, j'ai encore vu, j'ai dit qu'il okay, faudrait que j'appelle. D'accord. Dites-nous alors. Qu'est-ce que vous attendez du Seigneur ce matin? Ici, là, c'est la plateforme de ceux qui croient. Ça, c'est les hommes de foi et les femmes de foi qui suivent les missions aussi. Ceux qui peuvent changer les événements dans leur vie et leur famille. J'attends vraiment qu'il restaure ma femme dans sa santé, sa vie spirituelle. Et c'est, pour moi, c'est tout. D'accord. Elle s'appelle comment? Ngondjeb Bayi Martin. Père, je prie pour Ngondjeb Bayi Martin qu'elle soit guérie. Dans le nom précieux de Jésus, que le mystère du sang de Christ parle en sa faveur, que quelque chose bouge dans sa vie. Maintenant, Satan, que le Seigneur te réprime. Au nom de Jésus-Christ, amen. Recevez ce témoignage par la foi et votre femme est guérie au nom de Jésus-Christ, amen. Qu'il en soit ainsi et que cela soit écrit dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ, amen. Voilà, que Dieu bénisse. Dis-lui que j'attends le témoignage, ok? Amen, papa, j'ai compris. Oui, vous êtes restauré, maman. Soyez en paix. Le Seigneur combat pour vous. Ça va. Amen. Ici, quand vous priez, nous prions, le Seigneur le fait. Que Dieu vous bénisse et bonne guérison, bon rétablissement. Au nom Amen. De Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Shalom à vous. Amen. Je pense qu'il faudra que vous me trouviez un autre téléphone, pardon. Les affaires, si ça me dépasse déjà. Il y a tellement d'appels et comme c'est mélangé, WhatsApp et appel normal. Donc, on va trouver un moyen. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, madame. Oui, bonjour, papa. Bonjour. Il y a un message. C'est présentement, il a le ventre qui est ballonné. Oui. On l'avait trouvé avec un problème de foie. Vous parlez de votre mari qui est malade? Oui, papa. Il est où maintenant? Bonjour, monsieur le prophète. Good morning. Ah, good morning. How are you? I'm fine. I'm Cameroonian. Okay, you are Cameroonian. I'm a
marriage is a Gabon woman. Okay, so where are you now? You are in Gabon? I'm here in Gabon. Okay, no problem. Let me pray for you. Okay. Yes, there is no problem. Let me pray with you in the name of Jesus. Père, je prie pour mon fils qui est malade au Gabon, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que ta main forte et puissante soit dans sa vie, que ce mal disparaisse en ce grand jour, que ce mal disparaisse au nom de Jésus. Amen. Let me tell you something. Allô? Yeah, tell me. Oui, when you are young, where you were young, you are from where? I'm from Muyuka. Muyuka, hein? Wait, did you meet some a girl called like Bayi, something like Bayi? Do you know something like that, or is Bayi or Bayi or what like this? A girl. Boy, Bayi. Oui. Est-ce que vous avez connu, vous souvenez d'une femme que vous aurez connue quand vous étiez? Elle est partie. On va prendre quelqu'un. Allô. Bonjour. Allô? Oh Seigneur, merci. Allô? Allô? Bonjour? Allô? Allô? Ok, on va raccrocher. On va prendre quelqu'un d'autre. Il y a tellement d'appels que je suis même embrouillé finalement. Ok, d'accord. De la grande nuit de flammes, c'est tout à l'heure à partir de... Tout à l'heure. Allô, bonjour. Allô, 21h. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, professeur. Bonjour à vous. Vous appelez d'où? De Yaoundé. C'est pour un témoignage ou un sujet de prière? Un sujet de prière, professeur. Alors, quel est le sujet? Professeur, ça fait même très longtemps que je fais ça. Vous jouez de comme ça, je ne parviens pas. J'étais garagiste, j'avais un très grand garage, en fait. Ça fait aujourd'hui pratiquement 3 ans que je ne parviens même plus à manger à Yaoundé. Mm-hmm. Après, j'étais foncier que j'ai eu là-bas. On m'a chassé de cet endroit. J'ai pris un deuxième emplacement qui m'est installé. Je n'ai même pas fait 2 ans là-bas, on m'a encore chassé. Et puis là, je suis parti m'associer avec un autre mécanicien quelque part où tu es avec lui. Sans faire 8 mois, il m'a accusé de vol. Oui. Dans son garage. Oui. Je ne connais même pas. Avant ça, j'ai fait un accident avec ma femme et tous mes enfants dans une voiture. Oui. Où j'ai failli perdre même l'un de mes enfants. Mm-hmm. Ma femme était enceinte de 7 mois. Depuis lors, je ne parviens même pas à suivre seulement. Mm-hmm. Même pour payer la pension des enfants, il n'y a pas moins. J'en ai. Ok. Fait. Attendez, vous êtes dans Yaoundé? Dans Yaoundé, prophète. Vous êtes dans Yaoundé, hein? Ok, ne manquez pas, je veux toute votre famille à la nuit de prière, ok? Je vous suis bien. Toute la famille, venez s'il vous plaît, laissez Dieu vous introduire dans cette nouvelle saison. Oui. Laissez Dieu, hein, laissez Dieu vous introduire. Laissez Dieu vous introduire dans cette nouvelle saison. Et je peux déjà même vous dire ce qui va se passer, si vous voulez, hein. C'est rien. Vous voulez, je vous dis ce qui va se passer. Bon, écoutez, d'abord vous mettez votre confiance en Jésus, ok? Oui, et quand vous serez à la nuit de prière, je veux prier. Lorsque je veux oindre les familles, parce que c'est le dernier culte du mois d'avril, avant d'entrer dans le mois de la gloire, qui est le mois de mai, avant dimanche. Donc quand on va oindre les gens ce soir, pendant cette nuit de prière, c'est pour ça que c'est important que vous soyez là, pour que chacun bénéficie de cette onction. L'ange de Dieu va faire quelque chose. Il y a un jeune homme avec qui vous avez suivi la formation mécanique. En fait, ils étaient deux. Il y avait Stéphane. Il y avait un jeune homme qu'on appelait Stéphane. Oui, oui. Et un jeune homme qu'on appelait Bertrand. Ça, c'est deux collègues que vous avez eus dans votre formation en mécanique. Bergeron. Oui. Il est où maintenant? Il est là. OK. Et Stéphane est où? Stéphane, il doit être à Idea. À Idea. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Vous comprenez? Après que vous allez recevoir l'onction ce soir, l'ange de Dieu va toucher Stéphane. Et c'est par Stéphane que vous allez être relevé. Et Dieu va vous redonner un garage qui sera plus glorieux que le premier. Ce que vous avez vu en premier, là, vous pensez que c'était la gloire. Il n'y a pas de gloire dedans.
Ce que Dieu va faire après ces nuits de prière dans votre vie, si vous avez la foi, ça sera plus grand que tout ce que vous avez connu avant. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pour ça qu'il est important que vous soyez là ce soir pour recevoir cette grâce, cette onction et cette huile sur vous et votre famille, et on va prier. Et la gloire de Dieu sera rétablie dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Hein? Voilà, donc c'est bien. Vous voyez, c'est de ça que nous parlons aux gens. Lorsque quelqu'un consulte un prophète, parfois Dieu nous fait grâce quand même de voir un peu des événements à venir et puis de dire aux gens, ok, voici ce qui va arriver. Bon, là, on le fait pour que quelqu'un soit encouragé. Qu'il soit encouragé et qu'il comprenne que, ok, la main de Dieu est sur moi. L'endroit où je suis en train d'aller là, la parole de l'Éternel est vraie là-bas et elle est éprouvée. Donc, c'est un peu ça. Allô, bonjour. Bonjour, merci. Oui. Je suis vraiment contente de vous recevoir, papa. C'est moi qui avais appelé dans la dernière fois pour la place à mon boulot. Je suis j'appelle parce que c'est un sujet de prière bien important. Oui. La fois dernière, j'ai assisté à la conférence des bienfaits. Vous deviez nous recevoir hier, nous étions à l'église, vous n'étiez pas là. Oui, vraiment. J'étais à cause de la nuit de flammes. J'ai dit à mon administration générale que quand je donne certains rendez-vous, ils doivent être capables de me rappeler que j'ai des charges plus lourdes. Oui, oui, normalement. Nous sommes arrivés à l'église, on nous a envoyé que donc ça a été reporté. Oui, désolé, et mais je vous recevrai, il n'y a pas de problème. Allons-y vite alors. Le sujet de prière, c'est quoi? Oui, je voulais que vous puissiez prier pour mon foyer. J'ai rencontré un monsieur après le séminaire sur le mariage que vous avez fait l'avant-dernier séminaire. Bon, maintenant, dès qu'on a arrangé pour le mariage, tout s'est arrêté. Plus rien ne marche. Donc, nous sommes arrivés même pas au niveau où même manger, même c'est devenu un véritable problème. Les finances sont bloquées totalement. Et j'ai fixé la date de mon mariage en août de la deuxième semaine du mois d'août. Que les trucs se fassent, on a une bonne santé et la deuxième semaine du mois de décembre aussi. Que Dieu fait grâce. D'accord. Père, je prie au nom de Jésus que cette femme se marie. Parce qu'il est écrit, il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et je prie pour tous célibataires connectés que la gloire de Dieu agisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc vraiment, les Camerounais, n'appelez pas, ne nous appelez pas avec WhatsApp. Laissez WhatsApp pour ceux qui sont en Europe, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Parce que j'essaie d'équilibrer là, mais WhatsApp est tellement saturé. Allô, bonjour. Allô? Allô? Connexion en cours. Ah, ça, c'est un problème encore. Ok, d'accord. Donc voilà, je vais prier pour vous tous. Hein, que la gloire de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Donc, ne manque pas ces nuits de flammes et ne manque pas le premier culte du mois de mai. Ce 2 mai, dimanche le 2 mai, à partir du matin, nous aurons un seul culte. À partir du mois de mai, nous allons faire un seul culte. Donc, nous allons, en respectant les mesures barrières, bien sûr, nous aurons un culte qui va commencer à partir de 7h30. Nous commençons à 7h30 le culte. Donc, que la main de Dieu soit dans ta vie au nom souverain de Jésus-Christ. Père, je prie et je bénis tous ceux qui sont connectés. Que ce vendredi soit un jour de signe. Et ceux qui se préparent pour la nuit des flammes. Seigneur, merci parce que tu nous introduis dans la nouvelle saison. Que Dieu te bénisse. Pour tous ceux qui seront connectés en direct, Père, qu'une grande grâce soit sur eux. Seigneur, ne fais pas de différence entre eux et nous qui serons dans la salle en direct. Béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.